Ok, nickel. Bah, du coup, zéro délai. Jeu qui marche. Tout est nickel. J'ai mis le jeu en ultra qualité, tout ça. Hein, donc, c'est peut-être. J'ai peut-être un peu déconné, mais bon. J'ai quand même un PC à 3000 balles, quoi. Je pense que je peux me permettre ça, hein, parce que à la base, c'est pour streamer, quoi. Donc, je pense qu'on est bon. Écoutez, si jamais ça pète un câble. Bon, vas-y, let's go. Bon, bah, giga découverte. Bon, pas de délai, du coup, je suis content, mais bon. Ah, vous voyez, j'ai téléchargé d'autres trucs. Alors, je sais pas quoi et quoi, mais je pense que ça, c'est le jeu de base. Si jamais le jeu me plaît énormément. Ah, le mode recommandé, c'est expert. Non, c'est grave. Non, non, arrêtez. Non, non, on est d'accord que je mets expert. Non, mais vous pouvez être sérieux 5 minutes? En vrai, 5 minutes. Je veux bien mettre expert, mais me mettez pas le truc ultime alors que j'ai encore jamais joué au jeu, genre. Non mais sérieux. Vas-y go expert en vrai. Bon vous voulez tous expert dans le chat, je vois pas un seul cauchemar. L'épreuve de survie ultime. Je vais stuck. En fait le truc c'est que là vous voulez ça. Mais quand je vais passer 1h30 dans la même salle, je peux vous garantir que je connais exactement les gens du chat qui vont me dire s'il te plaît descends la difficulté tu vois. Et je préfère rester à une difficulté qui semble plutôt très bonne que tenter l'impossible. Vas-y je sais même pas pourquoi je dis mon chat. Ok, déplacer le curseur jusqu'à ce que le logo Sixon soit à peine visible sur le fond noir. Invisible, à peine visible. Ok. On est d'accord, c'est là, non? On est d'accord, c'est par là? C'est là ou là? Ou là? En fait, ça dépend qu'est-ce qu'ils appellent à peine visible. Moi, à peine visible, bon déjà, j'ai 4 dixièmes à l'œil droit, donc déjà, à peine visible, ça pue la merde, mais... Merci Régalia, merci beaucoup, Shikune. Dreamscale, Shiny Nightmare, Slimeouche. Merci beaucoup, j'ai lu ton truc et merci beaucoup mec. Petit, merci beaucoup pour tes 2 mois Guru, pour tes 5 mois Ningalad, merci beaucoup. Et merci pour tes 100 bits Guest Star Suite. Faut que le cadre avec invisible soit invisible. Ah mais c'est foncé hein. Non mais après là pour le coup, est-ce que vous pouvez croire mon expérience en tant que streamer et vous dire qu'il faut mettre un peu plus haut parce que sinon vous voyez vraiment rien. Parce que vous voyez moins que moi ce que je vois en fait généralement. Donc je pense que je vais mettre là. Ça, c'est mon expérience personnelle, ça. Moi, j'en ai rien à foutre de rien voir en soi, tu vois. Mais par exemple, Soma, enfin, c'était vraiment honteux. Hein. C'était le noir complet chez vous, quoi. Sona, s'il n'y avait pas une lumière, vous aviez un écran noir, tu vois. Ah, là, vous voyez ça? C'était Soma, là, ce que vous voyez là à l'écran, là. Ah, c'est fait par Sega? Ça, c'est incroyable. Je sais pas si ça fait peur. Rapport du véhicule hein commercial Nostromo. Je crois qu'il n'y a pas les voix anglaises sur le site français, je suis désolé. Rapport. Les autres membres de l'équipage. Kane. Kane? Lambert. Jungle? Parker. Parker Brett. Jungle? Brett? Brett Jungle? Après? HADC? Et le capitaine Dallas. Je suis trop chiant. J'ai envie de me mettre des baffes. Ah, tout le monde est mort, ok, my bad. Ça devait être un blue cane, hein, pour la cargaison et l'appareil détruit. Je devrais atteindre la frontière dans moins de 6 semaines. Avec de la chance, le réseau devrait me repérer. Ici, Ripley. Dernier survivant du Nostromo. Croco. Terminé. Je suis le dernier survivant. Pas survivante, si j'ai bien compris, du coup. En vrai, ça a l'air pas mal en niveau ambiance, là. Ah là, les mecs, vous m'avez peut-être mis bien, là, en vrai. Oui, je disais, j'avais vu un film, je t'en ai pas parlé du coup. Et c'était, je crois que c'était avant qu'il y avait les aliens, le tout premier. Je sais plus comment il s'appelle, il avait un nom bizarre, genre Barracuda, tu vois. Mais c'est pas ça le nom. C'est un nom comme ça. Genre Alien Barracuda. Prometheus, voilà, exactement. Ripley? Bon, ça n'a aucun rapport, mais c'était Prometheus, quoi. Mon nom est Samuels. Je travaille pour la compagnie. C'est au sujet de votre mère. On pense peut-être l'avoir enfin retrouvé, Amanda. C'est un vaisseau de commerce appelé l'Anessidora qui a récupéré on ce qui semble être la boîte noire. On sent que c'est un peu vieilli, mais c'est vraiment ok. Où ça? Donc nous, on va jouer la masse, là réticulé. Le mec a aucun charisme. Ça disait quoi? Heureusement. Nous l'ignorons. L'enregistrement a été envoyé à la station Sébastopol. J'ai pensé à quelqu'un. C'est... un document qui appartient à la compagnie. Elle veut qu'il soit récupéré le plus rapidement possible. Sébastopol est un dépôt de ravitaillement dans la région. Qui me fait penser? C'est une plateforme d'accès libre. Je sais ce que c'est. Oh.
transfert est déjà arrangé. Ça, je voyais qu'il se faisait pisser. Le Torrens qui croisera notre route dans deux jours. Notre voyage vers la station. Notre ? Moi et un autre employé. Et vous, si vous le souhaitez. Écoutez, Ripley. Quand ce dossier est arrivé sur mon bureau. Ça s'appelle Ripley ? J'ai parcouru tout son historique. De voir sa vie en boucle. J'ai compris pourquoi vous avez choisi de travailler dans la zone où elle a disparu. Vous la cherchez encore, n'est-ce pas ? Y a pas les sous-titres ? Je sais pas ! Je peux mettre start ou pas ? J'ai obtenu le feu vert pour vous offrir une place pour ce voyage sur le Torrens. Ça ne dépend que de vous. J'ai regardé, il y avait pas de sous-titres. Moi je voulais mettre voix anglais, sous-titres français, il y avait pas. Peut-être. Le son du jeu, Croco. Ce sera je vous l'augmente après. De tourner la page. Quoique, comment je vais faire ? Qu'est-ce qu'il fait ? Même moi, il parle pas très fort dans mon casque, en vrai. Pour être honnête. Je vais checker après, là. Ce qui est bien, c'est que si ça plante, j'ai le bouton pour passer. Non, c'est bon, le son. Moi, je trouve un tout petit peu faible, mais bon. Après, j'ai pas envie d'être tout seul à chialer, genre, s'il y a des bruits bizarres, quoi. Après, si vous dites que c'est bon... Mais... C'est le moment où je joue là ? Oh, let's go. What ? C'est inversé ? Non, c'est pas possible. Non, c'est trop là. Faut faire un truc là. Ok, quand je mets le joystick à gauche, ça va à droite. Ça va pas être possible. Je suis QWERTY sur une manette. Alors attendez, parce que le son, je crois que j'ai mis à fond. Hein. On va avoir un problème, je vais pas vous mentir. Sous-titres avec. Ah bah, je peux vous mettre les sous-titres, mais ils seront en français. Mais ça, c'est déjà bien. Ok, on va régler ça. Pour ceux qui entendent pas assez. Là, par contre, je suis désolé, mais non, ça va pas être possible. Donne-moi un truc là. Et tu m'as pas respecté là. Inverser l'axe, ça doit être ça, je pense. Ah, c'est ça. Ok, bon, c'est réglé. C'est des fous furieux, hein, m'avoir mis ça de base. Ok. Et niveau son, malheureusement. Parce que là, je suis à fond sur le jeu, je suis à fond sur OBS. Vous savez que je peux vous rajouter du son ? Je peux pas en vrai. Hein. J'ai pas le son extrêmement fort non plus, hein, pour être honnête. Hein. Le volume de la musique est à fond. Ça, c'est à fond. Gamme dynamique, je sais pas c'est quoi par contre. Je vais laisser, hein, je sais pas c'est quoi. Modifier la gamme dynamique pour convertir à votre matériel. Ouais, j'ai peur là. Hein. Sur Windows, le problème c'est que ça change pas pour vous sur Windows. Si j'augmente sur Windows. J'espère que le alt-tab va pas tout faire. Ah, je peux pas alt-tab ? Ok, bon, très bien. Bon, on va laisser comme ça, non ? Le son est très bien. Allez, le son est très bien ! De toute façon, moi j'entends pas grand-chose, je pense qu'il y a juste pas de son, là. Après, je trouve qu'il est pas fort, mais c'est le jeu qui a un son pas fort, ils abusent de ouf, en vrai. Objectif, habillez-vous. Ah, ça, je suis trop fort, ça. Ok. Là, on est sur un truc de mon niveau. Faut que je trouve mes habits. Ok, est-ce qu'il y a des touches, vite fait ? Ok. Ah ! Ça sert à quoi, cette touche ? C'est pour me mettre sur la pointe des pieds ? What ? Qu'est-ce que c'est que cette touche de merde ? C'est la touche girafe. Incroyable. Je suis un des seuls joueurs à avoir trouvé la touche girafe. Non, attends, elle sert vraiment... Attends. Ok, je vais vous faire vomir, bougez pas. Vas-y, là, vous êtes bien dans votre lit, là ? On va faire un petit... Ok, bon. Ah non, c'est accroupi ! Je suis bloqué accroupi ! Oh, sérieux, j'ai cassé mes jambes. Non, sérieux. Oh, une pantoufle ! Bah attends, ça fait partie de mes habits, non ? Je suis coincé accroupi. Bon, on va faire le jeu accroupi, c'est pas grave. Je suis bloqué. Bon, c'est pas très grave, en vrai. Non, sérieux, là ? J'ai fait trop le con. J'ai fait le con. J'ai fait un truc que personne n'a jamais fait, je suis bloqué accroupi. J'espère que ça va se régler. Bon, c'est pas grave. On va avancer accroupi, les amis. La touche girafe, elle est dangereuse, ouais. Je pensais pas qu'elle serait aussi dangereuse, pour être tout à fait honnête. Bon, c'est pas grave. Oh putain, j'ai déconné, en vrai. Ah, je suis Keblo, là. Non, là, c'est... Après, bon, je suis à portée de mes habits, comme ça. Hein, parce que là, ça doit être mon pull. C'est pas mon pull ? Ah non. Appuie sur tes joysticks. Ah oui, c'était ça ! Ah oui, pardon, aucun rapport, en fait. Ah, donc là, en fait, ça, c'est... Ok, ça, c'est sa croupie. Ah, ok, donc la touche girafe est toujours bonne, du coup. Ok, nice ! Touche girafe qui, je ne sais pas trop à quoi ça sert.
Ce qu'on regardera, je me mets pas sur la pointe des pieds, hein, regardez. Vous voyez ? C'est pas une vraie... C'est une fausse girafe, quoi. Je pense que c'est pour regarder. Imaginons, genre, il y a un alien. Voilà, je le vois instantanément. Alors que je suis caché, là. C'est-à-dire que là, lui ne me voit pas. Là, il me voit. Est-ce que je peux faire un bug avec les textures ? Il y avait ça dans quel jeu ? Ah, c'était un FPS. Non, pas de bug texture. Parce que ce que je pourrais faire, vous voyez ? Bon, là, vous êtes en train de dégueuler, c'est normal. Mais j'aurais pu, genre, regarder ici. En regardant le coin, vous voyez. Bon, on va avancer parce que je suis quand même... mais moi je veux chercher mes habits à la base, hein. Je sais pas trop. Ok. Ok, bon, très bien. Ah, s'habiller, let's go. Je suis habillé là ? Ah ! Objectif complété, habillé. Bon, déjà un succès, hein. Je vais pas trop me vanter pour commencer, mais bon. Déjà un succès. Vous savez, je connais pas l'histoire, hein. Je sais pas comment c'est possible que dans cet l'endroit où on est, on se retrouve avec des aliens, hein. Genre vraiment. Je pense que je vais utiliser là-dessus. Je sais pas, ça a l'air d'être techno... What? Ah, c'est une douche? Je pensais que c'était un ascenseur. Non mais sérieux? Ok, my bad. Je pensais que c'était un ascenseur. Ça avait une tête d'ascenseur. Sauvegarder la partie. Sauver la partie. C'est pas sauvegarder les amis, c'est sauver. C'est au cas où la partie est morte. Écraser les données. Ouais, j'ai bien avancé là. Ça serait dommage qu'on doive reset pour se réhabiller quoi. Merci pour les subs, merci beaucoup, vous êtes trop gentils. Merci les mecs. Ça m'a fait plaisir de vous faire vomir. Il y a plein de trucs à utiliser mais ça sert à rien. Verven, tu cherches un officier navigateur ? Merde, j'ai fait quoi ? Ok bah c'est terminé, j'ai une. On recommence. Merci Faubleu, merci beaucoup pour tes 5 subs offerts. Attends, on recommence. Verven, cherches-tu un officier navigateur ? J'ai un ami qui vient de perdre son vaisseau. Et il est à la recherche d'un boulot. Je peux me porter garant. Toujours le même refrain. Les grosses multinationales l'ont bouffé et l'ont racolé. Bon, on s'en va les couilles, on est d'accord, ok. Il m'a pas donné d'autres objectifs là. Hein. Je pense que ça va être objectif découverte. Et je pense qu'ici, il n'y a pas d'alien. Hein. Je pense que ça sera plus tard dans le jeu parce que là, ça a l'air giga chillax. Attends, je viens d'ici. Attends, je viens de gauche, donc faut que j'aille à droite là en fait. Ouais, c'est là. Ok. On va peut-être mettre une combi, je sais pas. Je pense que c'est pour aller dans l'espace. J'imagine qu'on est dans l'espace. Je crois que c'est dans le futur en fait le jeu là. Ça c'est grand. C'est marrant qu'ils me disent rien comme ça, genre ils me laissent full découverte, genre. Ça c'est giga grand là par contre, hein. Je vais me perdre. Hein. Je sais pas si c'est ce que je suis censé faire mais. Ah là je pars en cacahuète là. Bon, je vais me balader. Hein. Ça a l'air grand mais pour rien, vous voyez. Genre grand pour faire genre c'est grand tu vois. Ah quoique cette porte me donne giga envie. Oh, je crois que c'est... Samuels, vous êtes déjà debout ? Eh bien, je n'ai pas autant besoin de sommeil que vous tous. Non mais c'est incroyable le son comme il est pas fort en vrai par contre, c'est honteux hein. C'est pas vous hein, c'est moi hein. Enfin c'est le jeu. Je viens de réaliser que c'est un modèle très... Faut que je monte, je sais pas quand je vais me démerder. Faut que je monte pour moi en fait, pas pour vous. Un modèle un peu plus récent, mais comment je vais monter ça ? J'ai fait des boulots de méca. Je suis à 100 partout putain. Je comprends. Est-ce que Taylor est réveillé ? Elle manque d'expérience en matière de voyage. L'hypersommeil ne lui a sans doute pas fait. Faut que je monte le son. Je l'ai pas vu. Faut que je trouve une solution. Le truc c'est que je peux pas le tab. En vrai c'est la sauce hein. Ok, j'ai réussi à le tab. Mais le truc c'est que si j'augmente là, ça augmente pour moi mais pas pour vous ça hein. Là, dernière nouvelle, vous avez pas le son augmenté. Vas-y, je reteste. Je vais rejoindre. Vous avez le son augmenté là ? Moi ça m'a mis trop bien là. Oh, ça vous a mis trop bien. Oh putain on est trop bien. Je savais pas que le son du bureau ça vous impactait. Oh, on est giga bien là. Oh putain, je suis dans une ambiance de fou furieux là. J'ai envie de piloter. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Ok. Je pense que c'était un sanglier, mais un sanglier des... extraterrestres. Ok, du coup j'ai pas lu. Bah catastrophique, j'étais en train de régler mon son. On va appuyer sur des boutons au hasard. Moi rentrer là-dedans. Oh ! J'ai bien esquivé un piège de ouf. J'aurais pu mourir et couper en deux là. Faut déjà me féliciter mais bon. Je sais pas si... Il m'a dit quoi en vrai ? Vous avez regardé un peu ? Il m'a dit quoi ? Il y a une référence au premier alien. Ouais bah j'ai pas vu un seul alien donc on est dans la merde. Regarde ta carte Coco. Ma carte ? Oh putain j'ai appuyé sur un... Mais tu sais que j'ai trouvé le bon bouton instant ? Ok pas mal. Explorer le torrent. Explorez le vaisseau avant votre arrivée sur la station Sébastopol. Sébastopol, mec.
Ok. Bah écoutez, on va explorer. C'est un peu... C'est pas très... habillez-vous, parlez à Taylor. Ok, c'est ça, explorer. Parce qu'au final, j'ai parlé à Samuel. Donc tout le monde s'en branle de Samuel. Je pense que Samuel, on va le bisou. Je vais essayer de trouver Taylor. Il y a parlé à Taylor qui est ici. Je suis ici, donc je vais gauche, tout droit, full tout droit. Ok. Je vais enlever les sables, les mecs. Non, notre... Là, ça m'a fait giga peur, là. Non, notre ligne, là. Je joue pas à des jeux multigaming pour qu'on s'abonne dans tous les cas. Non, vraiment, c'est vraiment mon petit plus, quoi. Abonnez-vous sur LOL. Ici, de toute façon, c'est le plaisir, quoi. Non, là, ça m'a fait giga peur. S'il y a un alien qui proc avec le son des sables, je vais tout casser, genre. Je baisserai le son pour demain. Ah bah, je gagne pas de sub. Là, à partir du moment où je dis ça, forcément, personne va s'abonner, mais on s'en bat les couilles, genre. Le but, c'est le multigaming, là. Je vais parler à Taylor, normalement, elle est par là. Jaint. C'est vachement labyrinthique, les mecs, hein. Je suis désolé. Merci Méfi pour ton sub et merci Faubleu pour tes 5 subs offerts, évidemment. Merci beaucoup. Ok. Ok, on va aller par là, les mecs. Ok, c'est nickel. C'est nickel. Oh, Taylor est une meuf! Let's go! Taylor, bonjour. Ripley, y'a rien de bon dans cette journée. Elle a désespéré. Je pense pas qu'il fasse jour non plus. Pardon. On dirait un... Les mecs, franchement, c'est les D2 quand ils lancent des solos. Hein. C'est la tête qu'ils ont. Vous arrivez à supporter de vous mettre en hypersommeil si souvent. On s'y habitue. Je fais pas trop de longs voyages. Elle a un trou dans la bouche. Dans le secteur légal, regardez, rarement plus loin on voit la chaise. Machine à café. Ça m'étonne que Weyland Yutani ait embarqué une juriste. La perte du Nostromo et de sa cargaison ont coûté beaucoup d'argent à l'entreprise. Attendez, je voyais la chaise tout à l'heure dans sa bouche. C'est important qu'on découvre ce qui s'est passé. Regardez. Si j'arrive à boucler regardez. Avec un rapport d'accident concluant... Sa lèvre est pas collée à ses dents. Content de moi. C'est incroyable. Désolé. Personne n'a jamais vu ça. Peu de tact. Je suis un monstre. On me rend compte que ta mère est portée disparue depuis 15 ans et que toi, tu... C'est pas grave. C'est suspect, ça. On y trouvera chacune notre... C'est un alien. T'as vu Samuel? Ouais, je l'ai vu, ouais. Ça doit faire des heures qu'il est levé. Alors, j'ai encore rien écouté. Bon, ça, c'est vraiment mon défaut à chaque fois. Hein. Le problème, c'est que je suis attiré par des détails. Station Sébastopol en approche. Faut arrêter. Non, par contre, je suis désolé. Alors, on peut en parler 5 minutes? Je n'arriverai jamais à prendre au sérieux le mot Sébastopol. Hein. Non, je suis désolé, mais ça me fait penser à... au pseudo des gens que j'avais en sous le cul, là. Je sais plus comment ils s'appellent, l'anurin ou des trucs comme ça. C'est des mots, c'est pas possible de les respecter, genre. Sébastopol, les mecs. Ça me fait penser à genre Sébastien et Popol, genre, y'a rien qui va, genre. Ça va. Enfin, bon, je sais pas qui a inventé ce mot, mais c'est grave. Non, mais ça peut être une ville, ça peut être n'importe quoi, je peux pas respecter, genre. T'habites où à Sébastopol? J'espère que vous avez tous fait bon voyage. Tu te fais jeter des cailloux dessus. Le torrent est en très bonne forme, capitaine. C'était une épave quand je l'ai acheté. Ça m'a pris des années et beaucoup de contrats pour le retaper. Aujourd'hui, il est bien rentabilisé. Vous avez dit qu'on approchait de la station Sébastopol. Est-ce qu'on va s'amarrer? Votre contact est le Marshal Waits, si je ne me trompe pas. J'espère je vais prévenir va Sébastopol bien, ouais. Et arranger le débarquement avec lui. Bien, c'est parti. Au boulot. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Taylor. Mission de routine, on fait que passer. Connor, comment ça se présente? Oula, j'ai plus qui s'appelait. Ok, Connor. Vecteur d'approche verrouillé. Prépare les coms que je les salue. Séquence ouverte, capitaine. Est-ce que vous avez tous pris vos documents de briefing? Vous pouvez observer oui. L'approche sur les écrans. Oui. Ah mais j'ai trop envie de voir. Salut connard. C'est où les... Attendez, c'est où? Ramassez votre briefing. Attends, excuse-moi. Samuel. Samuel, bon, hein. Voilà, je sais que tu t'es fait bisuter à l'école, mais bon, là, faut me laisser passer quand même. Le brief... Attends, tu sais que je dois regarder mes trucs. Je peux me mettre là, moi? Ah, ok, d'accord, excusez-moi. Attends, c'est qui ça? On le connaît, lui? Ça, c'est connard? Ok. Donc là, attendez, je vais retenir vite fait les pseudos. Il y a connard, Taylor, Samuel et Jocelyne. Ok, nickel. Où est ma place? Attendez, parce qu'ils m'ont... Moi, je pense que je suis là, non? Moi, j'ai une tête à être là. Attendez. J'ai une tête à être là, moi. Ok, bon. Apparemment, Attends, toi, t'es là, toi? Ah, j'ai une tête à être là, je pense. Ok, je pense que je suis là, en fait. J'ai fait tous les... Je suis désolé. Où est mon briefing? Attendez. Explorez le vaisseau avant... Ah, il y a une petite flèche. C'est où, exactement? Je crois que je suis au milieu. Attends. C'est là? Et putain de merde, je suis bloqué dans... Attends, c'est là, non? C'est un peu plus là. Ah, mais ça doit être... Mais c'est là! Mais c'est ça, mon briefing! Ah, mais c'était ça, putain! Mais c'était la table, en fait! Je voulais chercher une chaise, moi. Oh, what the fuck! Ça fait un peu Star Wars! Est-ce qu'on pourrait voir? C'est fort, là. Passe aux écrans de contrôle. Moi, j'ai le son fort, mais bon. Voici la station Sébastopol. Il y a des dégâts? Ouais. On dirait bien que oui, en effet. Sébastopol a été touché. Zoom sur le 74. Resserre l'angle. La baie de la cale sèche a l'air complètement foutue. Je peux pas amener le Torrens là-dedans.
Vaisseau de commerce Torrens au départ de Sinclair, immatriculé MSB 7760. Appel à la tour de contrôle de Sébastopol. Je transporte avec moi trois passagers pour le compte de la Wayland Yutani. Vous détenez la boîte noire du vaisseau Nostromo. Nous demandons l'autorisation pour transfert immédiat de nos passagers à bâbord. À vous. À bâbord. Ah ouais? Marshall? Marshall, ici connard! Marshall, ici le Torrens, répétez! Répétez? Bon, ils ont pas la fibre, hein, dans la planète là. Les communications de la station ont l'air bousillées. Ah ouais, mais ça c'est pas bon signe. La combinaison de Samuels avec un ampli radio. Je peux maintenir le Torrens en position que pendant 24 heures. On vous aura déjà contacté depuis longtemps. Moi, ma question, avant qu'on y aille. Bon voyage. Est-ce qu'une ville qui s'appelle Sébastopol, ça vaut le coup d'aller la secourir? C'est une vraie question, monsieur. Qui avec moi, levez la main. Mon contrat parlait pas qu'il faut que tu sortir. Et bon, personne n'est d'accord avec moi. C'est la seule option. Et il n'y a rien. On est d'accord, hein. Tu fais ce que je te dis. J'ai le son gigafard. Faut que je le mette. En fait, c'est des connards parce que les phrases quand ils parlent, c'est rien et là, c'est fort. Dépressurisation. Bon, sérieux, non, enfin. C'est qui derrière moi, c'est genre. Et grave, vous ça. Aussi, Samuel. Bien ah, ouais. Sûr. Je peux pas passer, putain. Oh, c'est des connards, putain. C'est grave. Oh là, t'as l'autre, elle est là en mode Samuel, il parle comme ça, genre. Peut-être qu'il faudrait voir le briefing parce que là. Et puis après, t'as un énorme truc, genre. Putain, Ripley. Voilà, c'est pas fort là. Ah, c'est des connards. Ah, j'ai enlevé mon casque. Je peux pas le tab. Faut que j'attende la fin de la cinématique. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Samuel? Ah non, t'es en train de dire que je suis le seul qui va être... Oh là là. Après, il va plus y avoir de dialogue, là. Donc en vrai, je vais peut-être pas baisser le son. Parce que là, si tout le monde est décédé et que je suis tout seul ici. En vrai, faudrait que je baisse ce genre de... Pas beaucoup, en vrai. Vous ne devez courir qu'en dernier recours, ça fait du bruit. Ok, ok. Les armes sont comme des outils, chaque tâche requiert le bon. Hein? Le bon de quoi? Ok, alors attendez. Je vais baisser vite fait, je vais baisser à 90. Ah putain, c'est pas terminé. Oh, le pire, je baisse dans le jeu, en vrai. Je vais baisser dans le jeu, en fait. Mais je suis con, j'aurais baissé le son de la musique, c'était bon. Ah mais oui, mais c'est bon, je vais pouvoir faire ça. Attends, je peux start là? Oh, let's go. Et en fait, je suis con. Genre, je baisse le son de... Parce que, en fait, la musique, c'est ça, la musique est forte. Ah non, c'est les effets sonores de merde, de la cinématique de merde. Ok. C'est exactement ça. Ok, bah nickel. Ça, je vais baisser de deux crans. Attends, on est d'accord que ces sons-là? Je vais vérifier. Je vais mettre à zéro pour voir si on n'entend plus rien. C'est que c'est bien ce son que j'entends, là. Non, donc ça, c'est la musique. Ok, donc c'est vraiment la cinématique, en fait. Ok, nickel. Et les effets sonores, ok, ok. Ok, non, nickel, c'est bon. Ok, c'est bon, c'est oui, c'est oui. Ok, alors par contre, on est dans un scaphandre. Attends, je vais baisser quand même le son de la musique parce qu'il est fort. Je vais baisser d'un cran, je pense. Ouais, je pense que c'est bonne ambiance, hein. Ok. Donc, nous sommes à Sébastopol. Qui ressemble étrangement à Torrens, hein, on va pas se mentir. Trouver de l'aide. Ok. Donc, bon. Ok. C'est du givre qu'il y a sur mon écran là? Attends, qu'est-ce qui se passe? Non, c'était quoi ça? Ah non, c'était la lumière? Mais comment il peut y avoir de la lumière? Ah oui, non, c'est artificiel. Ah, oh, je peux me changer? J'ai quoi comme habit? Ah non, j'enlève mon scaphandre et tout, ouais. Bah, comme ça, je serais plus à l'aise. Attends, il m'a dit courir, ça faisait du bruit, mais je ne sais pas comment on court en fait. Donc, le point positif, c'est que je vais jamais faire de bruit. Le point négatif, c'est que si c'est la merde, bon. Bonne chance à tous, quoi. Comment je cours dans le jeu? Il m'a dit que courir ça faisait du bruit. Il m'a pas... Oh, c'est quoi ça? Ok, donc ça c'est le bouton B. X, A, ça fait rien.
baisser avec ça. Dézoom. Non, j'ai pas dézoom, mec. Joystick, j'ai rien. Mais deux joystick. Ah ! Ok, c'est celui-là. Ok, les zooms. Et j'ai ça pour la girafe. Ok, nickel. Je peux instant girafe courir, par exemple, genre courir, girafe, tu vois. Genre. Ou alors courir, girafe. Attendez, je vais faire une petite phase d'entraînement là. Oh, c'est beau. Ah, c'est propre en vrai, mécaniquement là. Là, ce que je viens de faire, c'était insane là. Imaginez Alien. Oh là là. Ok, bon, c'est oui. Allez, c'est bon, là, je vais pas rester ici plus longtemps. Utilisez les bandes d'enregistrement pour sauvegarder votre progression. Ok. Je serai averti si des ennemis sont proches. Vous savez que le jeu est mal fait parce qu'il me prévient qu'il y a des ennemis alors qu'on est sur le papier dans le, en mode RP, on pourrait pas savoir qu'il y a des ennemis. C'est con de me dire qu'il y a des ennemis là. Enfin, me prévenir qu'il y aura des ennemis parce que personne n'est au courant de la. J'ai bien compris que c'était un jeu avec des aliens, donc j'ai compris que je vais aller me taper un alien là, mais. Ce que je veux dire, c'est que. S'ils avaient voulu être RP, ils me l'auraient pas dit. Au moins avant la première cinématique, tu vois. Donc là, attends, mais. Le jeu c'est quoi? C'est je croco dans Sébastopol contre un alien là. Ou des aliens. Bon, je vais pas regarder le chat évidemment, mais. Oh. Attends, ça c'est quoi? C'est moi qui cours là? Ok, ok, on va pas aller par là. Sébastopol compromise. Veuillez vous rendre au poste de contrôle du Marshal et y rester jusqu'au. J'ai la carte ou pas? Ah, j'ai la carte que de ce que je découvre? Ah ouais, c'est ça. Ok, un peu à la Zelda. Ok. Ok, je suis revenu ici. Nous sommes face à un mur, les amis. Donc là, je viens de faire le tour. J'ai pas de porte de sortie. Changer d'étage avec X. Salle d'urgence, donc on vient de là. Donc ça peut être que... Bah ça peut être tout, en fait, là. Ça peut être que par là à droite, en fait. Peut-être là à gauche. Ou alors faut passer ici, mais c'est chaud, hein. Sérieux là, je peux passer là? Oula! Ah non, je peux pas! Non, c'est pas là! C'est pas là, c'est pas là! C'est quoi la flèche? C'est l'endroit où je regarde? Oui, ok. Ici, ça m'a l'air compromis. Bon, il doit y avoir une porte en fait, tout simplement. Je pense qu'on est sur une histoire de porte. Là, je viens d'ici. Ici, il n'y a pas de porte. Ici, je peux pas passer. S'il n'y a pas de porte, je vais revenir au sas pour voir si j'ai pas raté quelque chose potentiellement. Il y a peut-être d'autres portes ici. D'accord, donc je suis stuck. Très bien. Ok, les amis, je vais me déstuck très rapidement. Vous le savez. Là, je pense qu'on est. En plus, on est en expert, donc forcément, les portes sont plus cachées, je pense. Ou alors, je regarde. Là, c'est quoi ça? What? Ah, c'est dur à trouver. Attends, j'aurais jamais trouvé. C'est quoi? C'est. Ça m'emmène où ça? Genre dans les conduits. Ok, je suis accroupi, c'est ça? Ouais. Ok, bah, là je pense que pour la ligne c'est pas mal ça. Personne peut me choper ici. Hein. Je pense que les conduits ça va être mon terrain de jeu. Oh, j'adore les conduits moi. Je suis passé par là. C'est rouge donc forcément normalement ça devrait pas être ici. Ok. Par contre, je reste accroupi donc il va falloir que j'appuie sur ça à chaque fois à la fin et que j'enchaîne par courir. Et que, putain, je vais baisser encore un peu le son, je suis désolé, mais moi c'est fort. Je vais rebaisser un petit coudin. Pas de spoil, non, bah je regarde pas le chat, même s'il y a pas de. C'est pour ça que je vous ai dit le délai, c'est pas si grave parce que je regarde très peu le chat. Bah là, je viens de voir stop le spoil. Mais oui, forcément, genre les gens sont tellement. Oh! Faut que je ramasse un viewer, mec. Attends, c'est quoi? Trouvez des schémas pour vous aider à fabriquer des objets avec les éléments que vous ramassez. Attends, j'ai un inventaire quelque part? J'ai pas d'inventaire. Manquer de peu, ça c'est ce que j'avais lu. Je sais pas où il y a un... Je sais pas où il y a un inventaire. Ouais, bon, je vous envoie des petites crottes de nez des fois parce que ça me fait rire, mais... Attends, je viens d'ici, moi. De toute façon, vous allez forcément vous foutre de ma gueule après, donc en vrai, vas-y. J'en profite, hein. Pendant que j'ai encore le contrôle de la situation à 100%. Oh, alors ça par contre vous savez que mécaniquement... Bah voilà. J'ai trop peur de... Ah mais je m'attendais tellement pas, je pensais qu'en fait... En fait je pensais que c'était genre les mécanismes qui vont t'apprendre à bien jouer, tu vois, que ça allait pas te faire une embrouille dans le tuto en fait. En vrai, quand tu t'y attends pas ça fait mal au cul genre.
Non mais d'habitude j'ai vraiment pas peur, mais en fait c'est parce que j'étais persuadé que c'était genre le tuto en mode tu vois, genre les game designers ils te mettent un petit truc pour t'apprendre à te déplacer correctement, tu vois. Du coup à aucun moment, oh let's go, à aucun moment je me suis dit qu'il allait avoir une embrouille ici quoi. C'est pas j'ai mal. Cru qu'il y avait un truc de ouf. Maintenir B pour ouvrir l'inventaire et... Ah B, ok. Ah c'était ça tout à l'heure. Attends. Et LS pour sélectionner les objets. Bah étant donné que j'en ai qu'un. Ah au fait, ok d'accord, le soleil qui est au milieu ça doit être plein d'objets. Ah mais le truc c'est que je suis le roi des grenades donc en vrai les fumigènes ça devrait bien se passer. Hein? Qu'est-ce que je viens de faire? Je sais pas si j'ai merdé. J'ai merdé là non? Attends c'était pour voir dans le noir? Ah non c'était juste pour tester je pense. Oui c'était un tuto mais pourquoi ils m'ont mis une embrouille dans le tuto tout à l'heure? Non mais c'est vraiment des bâtards. En plus ils m'ont fait perdre de la vie si j'ai bien compris en bas. Moi je pense pas que c'était pour voir dans le noir. Attends faut que je me baisse là non? C'est quoi, c'est un truc de fringue? Ouais. Là je suis un peu à l'aéroport les amis. Je suis une valise. Ouais je connais pas les jeux aliens. Je sais pas genre les aliens si... Y a un truc par rapport au son et tout tu vois. Je sais pas comment il... Tu vois. J'espère que... Je vais peut-être courir là. Ok. Oh, il y a encore un truc. Il faut que je fasse gaffe hein, parce que le loot il est sneaky. Donc là si j'appuie sur B, faut que je reste appuyé. Quoi? What? Et ma fumée? Et mon heal? Ma seringue? C'est du heal croco. Ah ils l'ont peut-être donné... Ah non ils l'ont pas donné instant. Ça c'est une douche prédéfinie. J'ai tout mec. Je me fais giga baiser là. Y'a rien dans mon inventaire. Ou alors ça serait là-dedans. Et ça serait pas logique. What the fuck. Ah c'est un composant, c'est pas... Ok d'accord. Oui mais il pourrait quand même me dire les composants. Ok bon je vais avancer, on va dire que c'est pas ma faute. Ah genre ils mettent pas les composants, ils mettent que quand j'ai terminé le craft. Ok donc en gros si c'est genre... Je sais plus ce que j'ai pris là mais si c'est genre ça plus autre truc. Ah bah tiens. Détecteur. Il y avait écrit 10 non? Attends, je rappuie. Ok donc également rien d'affiché personnel. Ça me met bien ça. Capote. Ok vas-y. Là j'ai peut-être un truc en vrai là. Mais putain mais what the fuck. Le truc c'est que je vais jamais pouvoir crafter dans le jeu là. S'ils me disent pas ce que j'ai genre. What the fuck, c'est quoi cette salle de fou? Y a quelqu'un. Cette salle de ouf là. Bah, visiblement y a personne mais d'un autre côté ce qu'on voit c'est que ça a pas l'air non plus si dérangé que ça. Hein. Ah c'est pas un alien qui a coupé deux fils quoi, genre un alien ça explose le vaisseau tu vois. Ça coupe pas deux fils. Hein. Ah, je sais pas si c'est intelligent mais... Ok. C'est vrai que je connais tellement pas le jeu mec. C'est insane en vrai. Enfin je connais tellement pas la licence. Utiliser les terminaux pour mettre à jour la carte. Utiliser les terminaux pour mettre à jour la carte. Ok donc il y a un truc qui permet de mettre à jour la carte. Genre si je fais ça. Attends je vais regarder avant. Là on va dire que j'ai ça. Ok mettre l'échelle c'est intéressant. Et si je fais ça je vais avoir toute la carte c'est ça? Non ça c'est sauvegarder. Ok faut spammer. Plusieurs fois. Ok, trois fois c'est ça? C'est ça qui va me donner la carte ou j'ai rien compris? Ah je crois que c'est ça hein. Non pas encore. Peut-être pas tout compris. Bon, après faut que j'appuie là-dessus après. Ça sauvegarde la carte je crois. Si tu cherches notre stock, je l'ai pas bougé, tu l'avais laissé en plein milieu où n'importe qui aurait pu le prendre, bordel. C'est ce que j'ai dû me farcir pour l'avoir, je l'ai planqué dans un des KGB, tu devrais pouvoir le trouver. Le code c'est 0340. Ok donc faut lire dans le jeu parce qu'il y a des trucs, ok. Faut pas que j'ignore tout quoi. T'en fais pas, plus personne ne descend au terminal maintenant. Ok. 0340. Bon je vais retenir de toute façon. Pour ça pour le coup le chat peut le retenir pour moi, si jamais j'oublie mais j'ai plutôt une bonne mémoire. Du coup j'ai toute la carte ou pas? Non, ok bon j'ai rien compris, c'est pas grave. Je pensais que ça allait me donner toutes les cartes, je vais pas vous mentir. À moins qu'il fallait faire autre chose peut-être. Fallait faire autre chose là? Ou j'aurais jamais toutes les cartes. Attends, il y avait peut-être d'autres trucs en vrai. Partager audio utilitaire. Établir le courant.
Attends, il y a des gens là. What? Mais il y a des gens dans le vaisseau. Non, sérieux? Il y a des gens dans le vaisseau. Je pensais que j'étais seul, moi. J'ai entendu des bruits, j'étais choqué, genre. Coupez le courant. Harris, Turner, revenez ici immédiatement. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal. Bienvenue à la station de Sébastopol. Coupez le courant et n'oubliez pas vos rapports. Turner, revenez ici immédiatement. Ok. On a une piste quelque part à la salle des machines. Verrouillez le terminal. Coupez le courant et... Je suis passé par là, je pense. Du coup, j'ai pas eu la carte en grand, les mecs. Hein. On pas tout compris. Quand tout ce foutoir sera fini. Attends, c'est quoi le... C'est quoi le 0 seconde, là? Attends, quoi? Y'a ma chrono? Non, attends, j'ai mal compris. Attends, ça par contre, je me baisse, sinon je me fais toucher 100%. Oh putain, le roi des énigmes. What the fuck, mais il y a tellement de trucs. Vous venez de fabriquer de trouver un schéma. Attends. Medikit. What the... Mais c'est si compliqué. Ouvrir le menu radial et sélectionner l'objet que vous souhaitez fabriquer. LB pour fabriquer. Vous m'avez embarqué dans quel jeu là? Attends. Attends, on va y... Go, pas de panique. J'ai pistolet seringue, je peux bouger que deux trucs là. J'ai 15 camelotes. Enfin, ok, donc camelot c'est de la thune en fait. Et bah, je peux faire un pistolet seringue pour 10, non? Ou j'ai rien compris? Bon, bah, j'ai rien compris visiblement. Et agent collant? J'ai rien compris. J'appuie sur des trucs au pif. C'est une catastrophe. Oh bordel. Et attends, j'ai pas dépensé ma camelote là? Vous pouvez utiliser le medikit pour vous soigner. Attends, engager l'élément. Mais vous m'avez embarqué dans quel délire les mecs? Qu'est-ce que c'est que ce zoo? Vas-y, pour l'instant je vais laisser ça de côté, je pense que je prendrai plus tard. Tant que j'ai la technique de la girafe, en vrai je pense que rien peut m'arriver. Vas-y, on va aller par là. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, c'est trop stylé mec, on dirait un peu un aéroport de ouf en vrai. Oh mais c'est trop stylé! C'est Mars ça hein, par contre. Hein. Tellement classe en vrai de voir par la fenêtre là le... C'est Jupiter! Ah ouais? Jupiter, y'a pas un anneau? Mais y'a un anneau Jupiter non? Mars est rouge quoi. Bah les rouges là. Sur mon écran les rouges. Ah c'est Saturne! Putain je suis con. Tu sais que mais Jupiter c'est de la merde, on est d'accord. Attends mais je peux pas sauter en fait dans le jeu, je viens de penser là. Attends mais là je suis allé du côté gauche alors que j'aurais pu aller du côté droit. Il y a peut-être du loot, regardez. Attendez parce que moi je suis le roi du loot aussi. Je suis pas que le roi de l'isolation monsieur. Et en plus il y a un étage et tout mais là il y a 100% du loot. Par contre c'est tellement grand. Ça c'est sauvegardé ça, non? Ok non c'est pas ça. Attends parce que j'ai là à aller. Ok c'est fermé, donc là c'est réglé. Là, je peux ou pas? Non. Enfin, je suis en train de me demander si je cours pendant longtemps, elle arrête. J'ai l'impression qu'elle court de moins en moins vite. J'espère qu'elle est pas de ce genre là parce que ça va me casser les couilles par contre. Attends, là je suis en haut, là on est d'accord là. Ah ouais, je suis à un autre étage putain. Oh non, sérieux, elle est fatiguée! Le Torrens. Mais le Torrens, c'est là où on vient. Je suis là, Verlaine. Verlaine! Contactez le Torrens. On est sur Twitch, hein? Eh, ça va pas, hein? Attendez, parce que là. Je sais, bon, y'a pas de courrier. Par contre, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais sérieux, bon, j'en peux plus, hein. Je suis désolé, mais bon. Il me pète les oreilles, mec. C'est quoi ça? Putain mais... Attends ça faisait quoi tout à l'heure? Ça rallumait des trucs ça. Non mais regardez par la fenêtre, c'est impossible. Avec l'œil ne voit pas à travers l'espace. Vous êtes... J'ai réveillé un matelas les mecs. Ça personne n'avait jamais fait ça.
Ça sert à quoi ça? Le jeu ne t'aide pas pour les bonnes choses au début, je trouve. Voilà, ils m'ont. Non, ça a pas allumé, ça a juste ouvert cette porte en fait. Porte, ma foi, très lumineuse. Zoé, je suis désolé. Oh putain, mais ils ont que des noms de LOL, mec. Je n'ai pas besoin que tu viennes la semaine prochaine. Tu n'es pas sans savoir que la boutique bat de l'aile depuis quelque temps déjà. Et je ne pourrais plus retenir les créanciers depuis longtemps. Il y a tout simplement plus personne qui vient à Sébastopol. Bah tu m'étonnes, mec. Enfin bon, je vais pas dire pourquoi, mais bon. Il n'y a pas que nous. On dirait que la station tout entière est dans le rouge. Ok, ok. Ok. Et ça, c'est quoi? Qu'est-ce qu'Apollo? À tous les employés du terminal des vols spatiaux. Dans l'intérêt de la sécurité publique, afin d'éviter la panique, il est important de faire comprendre à tous les passagers potentiels qu'aucun vol au départ de Sébastopol et qu'aucun vaisseau ne sont disponibles. Ok, ok. Bon, c'était pas très intéressant. Ça, c'est juste de la lecture, ça, c'est ça? Les trucs comme ça, les terminaux. Ouais. Par contre, les loot. Hein, c'est pas un loot? Jones, update du jour. Suite à de nombreuses demandes, c'est du loot, ça? Attends, putain, regardez, il y a encore. Révolte au terminal, 20 secondes. Mais sérieux, ça stresse de ouf! C'est où le terminal? Attends, c'est où le terminal là? Et sérieux, ça casse les couilles leur truc avec le temps là? Ça me stresse de ouf, je déteste quand me. C'est où le terminal? Vite, ouais, mais vite où? C'est la durée de l'audio? Au lieu de fournir les explications escomptées, mais pourquoi ils me mettent un chrono? Non, mais mec. Mais c'est des fous furieux hein. Pour que son équipe et lui soient la cible de projectiles lancés par une foule en colère. Un coup de feu a retenti. Ça a semé la panique et à présent Waits et ce qui reste de son d'accord. équipe éjectent tout le monde du terminal par la force. On ne peut plus compter que sur soi-même. D'accord, très bien. Je vois pas, vraiment pas l'intérêt de ce chrono par contre. Vraiment hein. Du coup les mecs, on a loot par ici. Vu que je suis Kéblo, je pense qu'il faut que je remonte, que je refasse le tour, je pense. On a loot quelques trucs. Bon, il y a l'air d'avoir pas mal de loot. Bon, ça va, que je suis plutôt solide là-dessus. Je crois que la fille, elle fatigue. Putain, mais il y a trop de trucs, mec. C'est quoi, ça? Genre, je peux cliquer, là? Je sais pas si elle fatigue. Je vais courir en boucle pour voir si elle s'arrête. Parce que tout à l'heure, c'était peut-être la cinématique qui l'a fait arrêter. Là, je vais lui faire pas mal de courses. Là, je pense que la ligne dans les escaliers, il peut pas me rattraper. Elle descend vraiment 4x4. Est-ce que tu fatigues un moment? Ah mais je crois que c'est fermé là. Hein. En fait. Nous on try. Soudeur ionique. Attends mec, là tu m'as pris pour J'ai pas hein, moi soudeur ionique. J'appuie au pif, je comprends. Ah j'ai toujours pas compris en vrai. Appuie sur LB pour fabriquer. Ah mais. Ah mais là encore fallait que j'appuie sur LB. Ah non mais attendez, j'avais pas compris. Attends, j'ai fabriqué quoi là? Camelot insuffisante. Attends, j'ai peur que le jeu soit giga simple en fait. En fait, tout ce que je récupère, ça se transforme en camelot. Et avec la camelot, je crafte des trucs en fait. Ou je dis de la merde. Parce que là, vous voyez, on voit écrit agent collant x1 machin, mais on s'en bat les couilles en fait. Pourquoi il y a écrit agent collant x1 alors que je suis sur la case agent collant? En fait, ce qui est écrit au milieu là, c'est ce qui est écrit à gauche en fait. Mélange B, agent collant machin. Tes composants sont sur la gauche. Ouais, mais on voit pas combien j'en ai. Ou alors j'ai un détecteur? Est-ce que j'ai un détecteur? Si c'est ça, c'est que j'ai compris. Oui, ok, ok. Ah, ok, ok. Et j'ai 0 du coup, agent collant, machin, ok. Ok. Bon, j'ai à peu près. Ok, j'ai beaucoup plus compris. Et je vais pas activer mon medikit, hein. Je sais pas combien il me heal. Je vais pas l'activer parce que si ça se trouve, ça heal plus que ce que j'ai perdu. Du coup, si je veux optimiser, faudrait que je me refasse toucher pour ensuite le. Pour craft l'objet en question, tu as besoin de 10 de Camelot plus les composants que tu as. Ok, ah oui, Camelot c'est un composant à part plus l'agent collant, tout ça. Ok, ok. Il faut qu'il arrête de me dire appuyer sur X pour l'activer. Hein. Genre, je vais pas l'activer ton agent collant de merde en fait. J'en ai rien à faire. Je sais pas si ça me blesse, mais. C'était chaud. À chaque ouverture de porte, il va me demander d'activer mon agent collant là. C'est pas l'agent qui est collant, frérot là, hein. C'est toi là.
Bon, vas-y, il m'a cassé les couilles. Non, c'est bon, là, tu m'as pété les couilles. Agent collant, amorce. Donc là, si j'appuie sur B et là-dessus, j'ai un amorce, deux agents collants. C'est pour faire quoi? Un medikit? Oh ouais, je peux crafter que des medikits? Agent collant, on est d'accord que un de chaque, c'est pour faire un medikit? Pour l'instant, oui. Ok, c'est ça que je comprenais pas en fait. Je pensais que je voulais crafter un truc qui s'appelait agent collant. En fait, vu qu'il y a un truc qui s'appelle pistolet seringue, je me dis que c'est un truc de fou, tu vois, donc j'ai envie de le crafter en fait. En fait, pistolet seringue sert à faire une seringue. Tu préfères une seringue ou un pistolet seringue? Bah je préfère un pistolet, ça fait deux trucs en même temps. C'était, tu vois. En termes de game design, il est pas clean. Hein. Par contre, les mecs, j'ai aucune idée, il faut aller là. Contactez le Torrens. Le Torrens vous cherche. Trouvez un moyen de contacter le vaisseau depuis la station. Ah ouais, mais il me cherche. Moi aussi, je le cherche. Je pense pas qu'il faut y revenir aussi là. Hein. C'est impossible. Faut pas revenir là. Il faut le chercher par... Faut que je le contacte. Comment on contacte un Torrens? Je sais pas. Hein. On va installer LimeWire. Ok, bon, j'ai fait une blague de 2002 là. Non, en vrai là c'est chaud là. Je vais revenir là-bas, ça doit être là-bas en vrai. En vrai c'est forcément ici genre. T'as raté une boîte Croco. Non mais je vais en rater des trucs hein, je peux te dire directement. Je vais retourner là-bas parce que ça me semble être l'endroit où il faut aller. Mais t'inquiète pas que je vais en rater des trucs. Tu peux déjà t'arracher les cheveux et pleurer hein, t'as pas besoin de backseat. Utilise juste tes petites larmes, ça sera suffisant frérot. C'était cette salle en vrai. Ah mais attendez, là il y a des trucs de fou là. Bah je vais sauvegarder la partie. Ok. Et je pense qu'il y a ça là à droite, là je l'avais pas vu. Accéder au terminal. Ah je l'avais lu celui-là? Non je l'avais pas lu. Ah si je l'ai lu. Agent collant au rapport. C'est petit hein, les agents collants tout ça hein, à remarquer. Hein. Peut-être qu'il faut que je rentre à l'intérieur, je suis pas rentré tout à l'heure. Je pense pas qu'il y ait des trucs de fou, là il y a du ketchup mais bon. Il y a ça qu'on a déjà lu. Bah écoutez, on est officiellement stuck, hein, on peut tous s'applaudir. Hein. Officiellement le premier stacking. Ou alors il y avait cette salle encore que j'avais pas fait trop à fond mais... C'est quoi ça? Je peux pas... Ouais. Cette salle, je l'avais faite. Cette salle, je l'ai activée et j'ai rien fait après, je crois. Genre, j'ai activé un truc là. Ça a ouvert l'autre porte. Non, mais c'est forcément... Les mecs, c'est... Écoutez. Par contre, vous savez que ce jeu-là, j'aimerais qu'on en parle. Vous savez que c'est un... Attends. Oh, mais attends, fumigène, ça. Ah, mais il y a des trucs, faut que je fasse gaffe. Vous savez que ce jeu-là, c'est le jeu où je suis trop fort, genre. Vraiment, je suis trop fort à ce jeu-là. C'est pas ici. Ça doit être dans cette salle hein, les mecs. Hein. Ça doit être dans cette salle. Je suis désolé hein, mais... Ah attends, faut que je fasse gaffe avec les... Vous savez les trous dans le mur là. Qui permettent de... D'avancer dans les conduits. Ça doit être ça je pense. Je vais faire attention aux trappes aussi.
Je me suis bien fait baiser par rapport à ça. Là vous êtes en train de me dire que n'importe qui aurait réussi alors que je suis stuck là. En vrai je pense que c'est le niveau expert là, ils me mettent les cachettes plus petites. Hein. Ah, attendez. Ah c'est pas en l'air. Ah. Ah ouvrez le conduit, ok. What the fuck. C'est bien caché putain. Pour vous, vous connaissez le jeu, mais je pense que personne n'aurait trouvé ça. Ok, bah je suis bien dans un conduit finalement. Ok. Ça va, et les mecs, vous connaissez le jeu, c'est bon hein. J'ai pas mis 2h30 pour trouver un conduit qui était quand même particulièrement bien caché quand même. Ok. C'est catastrophique. Vous allez me prendre pour un animal, hein? Non, mais sérieux. J'analyse le conduit. Ok, je peux analyser, c'est une catastrophe. Peut-être que je peux passer, non? Là, y'a rien, là. Là, y'a rien. Oh, putain! Oh, ça va, j'étais pas un animal. J'ai trouvé vite, en vrai. Non, j'ai trouvé vite. Arrêtez! En mode, j'ai mis 3 ans et demi. J'ai fait un aller-retour parce que c'est pas le premier truc de regarder le plafond, puis après, je vais regarder le plafond, ça va, genre, c'est honnête. Non, c'est honnête. Tout est en train de partir en morceaux. Ouais. Bon, putain. Oh, attends, parce que là, tout est en train de partir en morceaux, mais y'a du loot, hein. Attends, mais sûr, je peux pas passer ce genre de truc? C'est peut-être pas du loot en fait. Faut vraiment que je regarde parce que j'ai l'impression que même les valises comme ça, ça peut être potentiellement des. J'ai l'impression que le jeu est giga looting quoi. Je vais réactiver mon stimuli intérieur. Attends, mais je suis stuck là. Ah, c'est à gauche. Visiblement. Mais pourquoi je ne peux pas sauter dans ce jeu vidéo? Enfin, excusez-moi, mais. Elle est nulle à chier là. Non mais attends. Il y a forcément un bouton sauter. Je peux me baisser, je peux pas sauter. Parce que là je dois passer à gauche là. Sauf que. Comment atteindre cet endroit? Attends, qu'est-ce qu'elle fait? Je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Tenter la girafe. Non, le jeu se fout de ma gueule par contre. Non, vraiment là. Le jeu se fout de ma gueule là. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, mais what the fuck? Eh, quand même, ça fait combien de temps que je joue? Une heure? J'ai pas encore vu un ennemi. Hein. Je sais pas si c'est moi qui suis lent, mais je pense pas en vrai. Je pense que je suis plutôt rapide. Non, c'est pas possible, le son. Ils ont un problème avec le game designer, le sound designer là. Il a pris des bruits, il l'a mis à des puissances au hasard là. Parce que là, il y a mon appart qui a explosé sur ce lampadaire. Je sens pas, hein, s'il y a un zombie, j'ai hâte de jouer à Resident Evil. S'il y a un alien qui arrive et qui crie ou un truc comme ça, mec, je pense que je perds des tympans. Hein. Pourquoi vous êtes en émotion? Je sens pas là. Mais du coup, c'est un spoil sans être un spoil, tu vois. Parce que je regarde pas le chat. Mais là, les motonies, je le sens vraiment zéro là. C'est genre, généralement, si les motonies. Sûrement être la sortie. Ouais, ouais, allez, c'est bon, j'ai compris. Ok, bon. Écoutez, qu'est-ce que j'ai à ma disposition si jamais ça pue la merde? Je vais regarder si je peux pas crafter des trucs vite fait. Attends. Medikit, j'ai tout là? Non, il me manque. Ah non, j'ai rien en fait, j'ai trop d'agents collants. Mais j'ai que ça, ok. Ok, no panique. Courir, girafe, ok. Courir, girafe. Girafe, poubelle, courir, ok.
poubelle courir. Je passe une poubelle en obstacle si jamais. Nickel. Ah merde. Ok. Ok, c'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite. Fuck. Fuck quoi ? Je... J'aime pas votre émotonie là, ça me stresse là. Ça se trouve c'est un émotonie random. Torche à plasma. Mais mec, tu me demandes de ces trucs ? T'as cru... Enfin, on est à EO, on est à Sébastopol en fait là, hein. On n'est pas à Tokyo mec. Hein. Je vais la regarder de l'autre côté. C'est quoi ce petit bruit ? Ah. Ok. Très bien. Un petit bruit doux. Je vais regarder à droite, je crois que la porte est ouverte. Si je dis pas de conneries. J'ai pas vu s'il y avait du looting, j'avoue que en vrai c'est dur, je trouve que c'est dur de looter. Ah c'est bon, vous êtes plus en émotonie. Ok, ça devait être juste un bail random. Ok, vas-y, no panique. Oh, un petit chat. On a entendu un petit chat là, on est d'accord là. J'ai entendu un petit chat. Alors c'était peut-être IRL. J'ai entendu un petit chat. Est-ce que vous avez entendu un petit chat? Je suis tout seul à avoir entendu une sorte de miaou là. Petit chat. J'ai pas rêvé. J'ai entendu un petit chat. Et 100% j'ai entendu un petit chat. Mais la putain. Et bordel. Fermé, soudeur, il me demande de ces trucs mec, c'est pas des clés en fait qu'il me demande. En fait c'est comme des clés mais c'est pas des clés quoi. Je peux passer là non? Non. Et là il me demande quoi? Oui, la fameuse torche à plasma, excuse-moi. El famoso. Tu sais que j'ai entendu un petit chat moi. Outil de maintenance requis. Et là, encore un truc. Oh là c'est carrément, tu l'ouvriras pas fils de pute qui a écrit. Attends, je viens d'ici moi, j'ai ouvert ça. On est d'accord. Sac à dos, je regarde s'il n'y a pas des trucs à loot. Oh non, là j'ai raté un truc. Là. J'ai raté un truc par ici. Est-ce que j'avais un truc que je pouvais crafter et... Merde, mais je me suis trompé d'endroit, excusez-moi. Parce que là en vrai je peux... Non mais non, dans tous les cas je peux crafter que des medikits. Donc je vais pas crafter pour l'instant les trucs qu'ils me demandent. C'est impossible. Ah, il y a là. Mais non, attends, c'est de la douche, non? Attends. Je viens d'où moi? Je viens de là? D'accord. Il y a ici que j'ai pas fait en soi. Mais il y a l'air de rien avoir. Ok. Je continue. Est-ce que je regarderai pas s'il y a pas un conduit dans les. Dans les murs? Tu vois? Bon, ce qui est sûr, c'est que je peux pas les ouvrir ces portes. Ah, bah quoique celle-là, elle est bizarre celle-là. Ok. Bizarre mais pas ouvrable. Je suis un peu stuck là. Je vous avoue. Mais après, ils me mettent un truc de fou là. Et là, je peux pas passer là. C'est honteux, monsieur. Attends, j'ai entendu un bruit là. Ok, j'arrive. J'ai entendu un bruit bizarre. Genre. Et une moto? T'es vraiment à chier, c'est grave. Non mais attends, t'as déjà fait le jeu, mec. Que quelqu'un qui n'a pas fait le jeu ose me dire ce qu'il faut faire là maintenant sur l'instant T. Que quelqu'un qui n'a pas fait le jeu... Ose me dire à l'instant T ce qu'il faut faire exactement, genre. Revenir en arrière? Ou peut-être avancer? Ouais, on est d'accord, on sait pas. T'es passé devant une porte électrifiée. Ouais, on est d'accord. Bon. Voilà, le fameux chat qui est challenger, hein, mais quand tu leur demandes un truc, y'en a pas un qui dit la même chose. C'est assez un plaisir, ça. Commence à miauler.
Je suis passé devant une porte électrifiée, mais qu'est-ce que tu me racontes, mec? Reviens en arrière? Bah, à quoi ça sert que j'ai fait ça? Attends, j'étais où, là? Ah, c'était ici? Ah oui, j'étais dans cette grande salle. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Non, sérieux, c'est pire que les aliens, ces trucs-là. Et à quoi ça m'a servi, ce que j'ai fait? Ça m'a ouvert cette porte? Mais comment j'aurais pu savoir? En fait, quand j'appuie sur la truc, ça ouvre des portes au hasard, c'est ça? Ouais. La question que j'ai envie de poser, c'est... Se cacher de quoi, vu qu'il n'y a pas d'alien? Bon, en vrai, je run comme ça. Girafe. En vrai, attends. Je vais faire une simulation d'une course-poursuite. Ah, c'est clean. Même pas besoin de girafe. J'ai pas besoin de girafe, c'est clean. Ok, donc il y a une cachette ici. Bon, je vais faire attention à tout parce que sinon le chat va m'engueuler. Voilà, j'ai bien visé. Voilà, on est d'accord, cette salle, le plafond. Hop, pas de trappe. Ok, donc cette salle, on est d'accord qu'on l'oublie, j'y vais plus jamais. Allez, c'est bon. Voilà, on valide. Allez, on va dans cette salle maintenant. Je vais looter un peu pour voir si j'ai pas raté du loot. Le chat va péter un câble. Voilà, hein, y a pas de loot ici. Ça, c'est pas du gel. Il y a des échecs. Voilà, ok, donc cette salle, on est d'accord qu'on y va plus jamais sauf pour se cacher. On est d'accord. On passe à cette salle. Hop, je regarde le plafond. Bien. Attends, on peut se cacher là, non? Non, c'était pas une cachette, ça? Il y a écrit quoi? Mais. M-A-I-T-S. Mate. L-T. L-J. Absolument rien compris. Bon, il y avait rien dans cette salle, on est d'accord. Je vois ce qui me choque. Oh, merde. Non mais ça c'est... Mais il s'est blessé avec sa clé à molette là, ça se voit, l'arme est dans sa main. Attends, ça c'est l'arme de l'outil de maintenant, c'est un 100%. Par contre, c'est avec ça que je vais ouvrir les portes. Hein. Ok, je regarde vite fait cette salle. C'est du loot ça? Non. What? Je peux la bouger? Comment j'ai fait? Je vais peut-être faire un coup de la girafe. Est-ce que le son ça serait pas un truc par rapport à l'alien? Peut-être qu'il aime pas la musique. C'est bizarre qu'ils mettent des radios comme ça avec de la musique. Ah mais peut-être que comme ça je peux courir. Parce que du coup il entend pas mes bruits de pas. Je sais pas. Bon là je suis en train de faire des spéculations, je connais rien mais... J'avais vu le jeu. Ça m'a l'air plutôt positif d'activer les radios, je pense. Je pense pas que je pourrais trouver un ennemi dans ces conduits. Hein. Non mais sérieusement, c'est impossible. Ah voilà. Et là on a l'outil de maintenance, mais c'est GG. Bon lui il est mort, mais ça on s'en bat les couilles. Et vous savez, je savais que c'était l'outil de maintenance, hein, vous avez vu? Alors que je suis pas content. Je crois que j'en ai plus besoin que toi. Et en plus ça peut potentiellement servir d'outil pour attaquer, genre. Enfin, j'ai tellement de portes que je peux ouvrir. Je vais regarder s'il y a pas du loot. Par contre je commence à stresser, j'ai envie de pisser comme d'habitude. Toujours, dès que je stresse, je pisse. Ça me détend. Je sais pas. Je vais. Y'a rien, les mecs. Je vais passer par là. Porte fermée. Ouais, non, mais frérot. J'ai l'outil de maintenance en fait. Tu m'as pris pour qui? Ah bah. What? D'accord, donc là ça marche. J'ai absolument. J'ai juste appuyé sur B. Hein.
Il y avait du loot sur le sol ? Ah, j'ai pas vu. What ? Ça ? Ah, c'était pas du loot. Ah si, il y avait ça la clé. Ah oui, pardon. C'était un succès. La plus haute autorité, c'est compris. 49 secondes, oh putain, on va s'ennuyer. W-A-D-S-O-N. Bon, je vous laisse écouter, moi je suis en train d'ouvrir une porte. Très bien. La porte est la suivante. Pas tout faire en une planche, je suis pas une meuf. Je fais qu'une chose à la fois, désolé. Il ferait mieux de nous protéger, c'est leur boulot. Voilà, là j'ai ouvert une porte, je peux écouter maintenant, mais bon. Il y a un truc sur la station avec nous. Et personne sait ce que c'est. Pourquoi ils nous disent pas, les marshals? Je veux déposer une plainte. J'ai déjà dit non. Bah je vais ouvrir ça en vrai. En vrai c'est facile d'ouvrir. J'ai vraiment peur mec. Je maintiens et je le décale. Tu vas dans tous les sens Coco. Ouais je suis un homme de tous les sens moi. Moi on peut pas me nier dans un sens. Ça démontre ma liberté. Agent Collant ? Attends, ça ressemble à quoi, Agent Collant ? Ah, c'était le truc qui était là-bas ? Ok, ça ressemble à un... Ok. Ça ressemble à rien, ok, bon. On peut relire là. L'entretien AIST. Détecteur, c'est pourquoi ? Bien prononcé. AIST. Écoute, si t'as pas envie détecteur, de j'en ai deux. On va être là pour un j'ai toujours pas de mélange B et de pistolet sur... Je veux juste en savoir plus sur ton Minecraft. Il vous a tous mis dans un bordel pas possible. Quelqu'un va devoir rendre des comptes. Je vais bien m'assurer que quelqu'un soit responsable. Ouais, moi je suis responsable de rien, monsieur, déjà. Les problèmes sont réglés. Ok, bah maintenant que j'ai activé l'agent de maintenant, je peux repartir. Hein ? J'aime pas quand ils accélèrent le son comme ça, ça me stresse. Pour l'instant, les mecs, je pense que j'avance bien, je pense que je suis à la moitié du jeu. 40% en vrai ? Bon. 4. Outil de maintenance à gauche, mais il y a plein d'autres endroits mec où il y avait l'outil de maintenance en vrai. En vrai n'importe quel, alors n'importe quel viewer lambda silver 2 dans mon chat aurait ouvert cette porte. Et c'est là où je crée la différence. En allant ouvrir les portes par outil de maintenance de là-bas. C'est là où je crée la différence avec vous, c'est là où le cerveau à 143 du cru opère. Pendant que votre petit cerveau à 80, donc forcément 80 fois 1000 viewers, bah... Vous avez l'impression d'être plus intelligent que moi, mais personne n'aurait ouvert cette porte. Vous voyez ? C'est là où je crée la différence. Voilà. Et là on ouvre une porte qu'on n'est pas censé ouvrir tout de suite. Potentiellement je fais bugger la fin du jeu, j'arrive directement au boss final. S'il y en a un. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Mais nous allons dans une salle où le jeu n'imaginait pas qu'on pourrait y aller tout de suite. Ça c'est Agent Collant, j'ai reconnu. Ça c'est un viewer. Ok, nickel. Ah mais il y a plein de viewers partout, what the fuck. Attends, j'ai combien de Kaamelott? Mais Kaamelott, j'ai pas compris à quoi ça servait du coup. Agent Collant, tout ça c'est pour crafter, mais Kaamelott ça sert à quoi? Ah c'est Kaamelott plus le reste. Ok ok, donc faut quand même de la Kaamelott. Ok ok, c'est bon, j'ai bon. Par contre c'était juste une salle pour looter quelques trucs en fait. Et ils me donnent tout le temps les agents collants, je pourrais jamais faire des medikits, puisque les medikits font un peu de tout. C'était la seule salle qu'il fallait ouvrir. Il me semble hein, ici c'était pas une salle à ouvrir. Non, c'était des salles... C'était des salles... Ouais, salles de bain là, ok bon. Bah écoutez, là je vais ouvrir la porte. Ok bon, c'était juste pour du loot, mais j'ai quand même tiré mon épingle du jeu en étant allé chercher un loot que 99,9% de la population ne serait pas allé chercher. Je suis donc muni de plusieurs agents collants. Et vu que j'ai positionné également un cylindre devant la porte, potentiellement j'ai plus de chances pour m'enfuir. Par contre il y a une cinématique, j'aime pas trop ça. Ah mais ça va, ça nous vient ça. Pas un geste. Ok, ok. Maintenant, tourne-toi. Allez! Mon nom est Ripley. Et tu sors d'où, Ripley? De l'extérieur. Mon nom est Ripley. D'un vaisseau. Y a pas de vaisseau. Mon nom est Ripley. Ici. Maintenant, si. Bah ça. Elle a une clé autour du cou, vous avez vu? C'est une bonne nouvelle. Parce que ça craint pas mal ici. Il vient d'avoir une explosion. Ça a tout secoué dans le coin. J'ai vu ça. Mais ça.
C'est bien le dernier de nos soucis. Ah ouais? Ouais. Il y a quelque chose sur la station. Un truc assez incroyable. Genre quoi? Un tueur. Tu comprends? D'accord. Sûr que c'est pas toi? D'accord. Et toi, t'es qui? Axel. J'ai embarqué avec deux collègues. On a fait une EVA. L'explosion nous a séparés. Tu veux bien m'aider à les retrouver? Pourquoi? T'as l'air de connaître les environs. Non, je veux dire, pourquoi? J'y gagne quoi, moi? Une place sur le vaisseau. Et comment je sais si je peux te faire confiance? Faut que je trouve le centre de com. J'ai besoin de contacter mon appareil. Alors là, c'est ton jour de chance. On doit pas me casser les couilles, là. C'est parti, poupée. Sixon Communications se trouve dans la tour Systech. Il m'a appelé poupée, là, je vais l'enculer. Hein. Mais on peut atteindre un transit par la zone de fret. T'as mal au transit? J'en ai rien à foutre. Bon, vas-y, let's go. Sur un pépin. Ok. Dépêche, j'ai pas envie de m'éterniser ici. Je vais l'enculer. Non, là, c'est pire que... Là, c'est on dirait better... Non, mais c'est bon. C'était toi qui me suivais, là? Fallait bien que je garde mes distances. On n'est jamais trop prudent. Mais j'ai vu que tu me suivais. Moi, je l'avais senti. Je sais pas si vous l'avez senti, mais je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me coursait. Je voulais pas en faire part au stream, parce qu'on allait me dire que j'étais fou. J'entendais des bruits derrière. Reste à côté de moi. Quoi? Hé! Hey, pas un geste! Ok, ok, d'accord. On n'est pas là pour chercher les embrouilles. Je vais me mettre en mode girafe. Moi, c'est John. Ça, c'est Ringo. C'est juste une paire de connards. Ringo n'est pas là. Hein. On a d'autres choses à faire. Allez, viens, Jonah. On cherche le centre de com. Vous pouvez nous aider? On n'a pas besoin de leur aide. Tu leur dis rien. Écoute, j'ai réussi à faire marcher l'ascenseur. Jonah, tirons-nous d'ici, ok? Je suis désolée. Bonne chance. Je peux savoir à quoi tu joues? Pourquoi tu leur aboies dessus? Tout le monde a les boules. Plus personne se fait confiance. C'est plus sûr comme ça. Ouais. Ah, j'étais en position défensive, quoi. J'étais pas caché, mais... J'étais en second couteau, quoi. En gros, si je mettais moi les balles derrière, si jamais ça... Enfin bref, vous pouvez pas connaître la... Vous connaissez pas la guerre. J'espère pour toi que ton vaisseau, c'est pas des bobards. Attends là, je m'occupe de l'ascenseur. Tu permets? Ouais, c'est un vieux machin, pour la boîte est spéciale. T'inquiète, t'inquiète. Eh ben, qu'est-ce que t'attends comme ça? C'est bon, je regarde si on s'est pas coursé quoi. Y'a rien derrière nous, on peut y aller. RS. T'en reçois 5 sur 5, let's go. Essaie de pas faire trop de bruit par ici. Il va y avoir des gens. J'apprécierais grandement que tu me dises ce qui se passe ici. Et tout de suite. Donc là, elle lui demande de pas faire de bruit, elle gueule. Ça me. Ouais, bon, je vais rien dire, mais bon. On pourra se détendre, se faire notre reste dans les cheveux et papoter autant que tu veux. Ouais, quand on sera sur mon vaisseau. J'ai besoin de savoir ce qui se passe et pas dans 107 ans. Ok, comme je te l'ai dit. 307. Un tueur dans les parages. Un tueur? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai pas vu, mais il est ici. Ça, c'est sûr. Ils m'ont chopé un par un. Tu me parles de quoi? Un psychopathe? Un dégénéré? Non, c'est autre chose. Un monstre. Un monstre? Je suis pas une chochotte, je suis en second couteau. Non, mais vous êtes vraiment débile. Je me mets juste en second couteau, c'est lui qui a le pistolet. Moi, je me positionne pour les arrières, quoi, tout simplement. Genre, si jamais quelque chose ne arrive par derrière, je peux directement lui informer de sa venue, quoi. Puis en plus, je dois un peu looter, donc forcément, je mets un peu plus de temps que lui. Merde. Faut qu'on décampe. Par là, baisse-toi. C'est des conneries, ça, putain. On ferait mieux de chercher une sortie. T'es complètement dingue? Il y a aucun moyen de sortir de cet endroit. Au moins ici, on est en sécurité. Ouais, mais pour combien de temps? Et on fait quoi s'ils nous tombent dessus, hein? Bah, on leur tire dessus. Maintenir, se pencher et pivoter. T'es en train de me faire flipper. Attends, quoi? Ah, mais ça, je connais, c'est la girafe. Attends, il me parlait de la girafe, là?
Tu me parlais de la girafe là, on est d'accord. Les ennuis. Va falloir qu'on fasse le tour. Suis-moi. Oh let's go, j'adore les conduits. Oh je vais voir ton cul tout long, ça va me casser les couilles en vrai. Je vais te laisser prendre de l'avance parce que ça va m'énerver. Il marche bizarrement lui dans un conduit. Moi je pense que je serais accroupi hein. Des amis à toi ? Je suis déjà embrouillé avec ces collègues. J'aime pas trop les étrangers, même les gentlemen comme moi. C'est étonnant. Je te raconte pas de salade petite. Tu pètes le chancul, hein, je te préviens. Faire coucou, tu signes ton arrêt de mort. Leurs flingues sont pas là pour faire joli. Il faut que quelqu'un agisse. C'est ce qu'ils font. Entre nous, on appelle ça l'instinct de survie. On se retourne tous les uns contre les autres. La peur, ça rend les gens complètement cinglés. C'est quoi le cinglé, mec? Qu'est-ce que c'est que cette limace? Il a aucune grâce. C'est là-dedans que tu vis? Excuse-moi, mon majordome est en vacances. Prends tout ce que tu veux. Il n'y aura peut-être pas d'autre occasion de le faire. Prends tout ce que tu veux? Oh, bah fallait pas me le dire deux fois, par contre, hein. J'espère que t'as du loot. Oh, let's go. Ça va faire une semaine que je me terre ici en attendant un vaisseau. C'est peut-être... Ça fait une semaine qu'il y a un truc sur le... Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit de merde, là? Ah, c'est moi quand je passais à côté. Oh, un petit ventilo. Ah ouais, il est vraiment... Il fait vachement sombre par ici. Tu devrais prendre cette lampe torche là-bas. Attends, j'ai plein de trucs à prendre là. Amorce. Le plein de piles. Attends, mec, il y a trop de trucs chez toi, là. Lampe torche. Ça, c'est une lampe torche, ça? Tu feras gaffe de pas l'allumer n'importe où. Pas trop. Ah putain, c'est exactement comme votre là. Ça fait chier, putain. Pile. Maintenir. Recharger la lampe torche. Ok, je crois que je l'ai fait. Je sais pas comment on l'active. J'espère qu'elle est pas allumée ma lampe torche là. Attends, il y a encore des trucs à loot. C'est la radio qui fait du bruit. Je crois qu'elle est pas activée. Je vais sauvegarder la partie. Y pour l'allumer. Ah oui, bien vu. Ok, ok. Bah je pense que c'est tout loot là hein. Je vais pas l'allumer tout de suite hein. Je l'allumerai quand c'est vraiment nécessaire. Et maintenant? Je vais surveiller ce conduit. Il y en a un autre quelque part par là. Je vais laisser une marque dessus pour pas l'oublier. Utilisez la lampe torche pour trouver l'entrée du conduit. Et si tu jetais un œil dans le coin, on ira nulle part tant que t'auras pas trouvé le conduit. Le conduit à gauche ou le conduit tout droit là? Mais j'ai pas besoin de la lampe torche pour trouver le conduit en vrai. Je suis désolé hein, mais bon. C'est ça le conduit. Ça. Je pense que je vais pas utiliser ma lampe torche. Ils font ça parce qu'ils pensent que c'est nécessaire mais en vrai... Il y a que deux pièces. Enfin, ça me paraît tellement facile à trouver. Ça c'est le conduit ça. C'est bon. Axel, c'est ça? Attends-moi, j'arrive. Attends, je crois que j'ai trouvé le conduit. Je savais bien qu'il était par ici. Tu vois, je gère, Fougère. Ah bah ouais. Bah moi j'ai encore mieux géré, mec. Hein. J'ai utilisé 0,01% de ma lampe. Je suis tombé dessus, genre. Actuellement, l'homme qui a le plus de batterie de tout le jeu. Pas très prudent de s'attarder ici. J'en ai marre de voir son gros cul, putain. Super, c'est comme ça que vous vous déplacez? Comme ça que se déplacent ceux qui veulent rester en vie. Ah, c'est vraiment le survivor, quoi. C'est le Torrens, ton vaisseau, c'est ça? Oui. C'est mieux que, hein, Sébastopol, hein. Ouais, je comprends, ce sera fait. Faut qu'on rejoigne les autres, y'a un truc qui merde. Y'a toujours un truc qui merde avec lui. Fais un effort, t'as pas envie de mettre en pétard. Suis-moi. J'arrive. T'es sûr qu'il n'y a pas du loot par là? En vrai, je gigaspeed looting.
personne fait ça, mais bon. LOL, 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 LOL. Quel joueur. Sauvegarde. Ah, j'ai pas vu. Vous avez vu le loot que je viens de trouver, les mecs? Strato loot là hein. C'est pas n'importe qui peut trouver un loot de cette qualité hein. Enfin, un autre rôle. Attends, tu veux que je me baisse là? C'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Tout le monde sur le qui-vive. Gardez vos armes à portée de main. Ouvrez le feu dès que vous voyez un inconnu. Compris. Ah non, bah ça pue là. Ils ont tous des armes sauf moi. Qu'on les attaque. On est obligé de passer par là pour atteindre les portes. Comment? Pour faire diversion. Le générateur, s'il tombe en panne, il viendra jeter un œil. T'es plus petite que moi. Tu feras forcément. Bah oui, bon alors ça c'est vraiment l'excuse de merde. Attends. Qui a vérifié les provisions en dernier? Moi. Créer une diversion pour distraire les pilleurs. Je peux savoir ce que t'insinues exactement? Eh, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Attends, mais moi je sais pas comment créer une diversion, moi. Et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu ici. Je suis en train de divertir là. Ça sent pas bon. On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Et le verrou que Joe a installé. J'en reviens. Je suis en train de créer une diversion là. Il a pas bougé d'un poil. Ouvrez l'œil. Tenez-vous prêt à faire feu. Va falloir que quelqu'un aille avertir le boss. Je fais diversion. Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Je crois peut-être que tu pourrais faire mieux que lui. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Je voulais simplement dire que... Tu voudrais pas plutôt la boucler et m'aider à vérifier le reste des stocks? Enfin, ah, y'a un truc ça, là. Faudrait que t'arrives à fermer. Éteins le générateur. 5 secondes et je sais pas si t'en es capable. Mais attends, c'est la merde là. Je vais où? Mais attends, ils vont forcément venir là. Le générateur a lâché. Mais je suis dans une sauce. Non, y'a quelqu'un dans les parages. Faut aller vérifier. Tout le monde avec moi. Ça pue là, non? Qui est là? Montrez-vous et on vous fera pas de mal. Je crois que j'ai vu bouger un truc à l'intérieur. Direct. Non, c'est impossible. Comment tu peux le savoir, Einstein? Si le générateur avait pété, il y aurait de la fumée. Bah, en tout cas, là, il marche pas. C'est peut-être la sécurité? C'est peut-être un rat qui s'est coincé. Oh non! Et qui a déclenché c'est un rat, c'est un rat, je vous jure, c'est un rat. Ça devait être je suis un rat, il y a un rat. Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Quelqu'un se fout de notre gueule. On n'aurait pas dû faire ça. Sûrement le même enfoiré qu'on a profité pour se servir dans notre réserve. J'aime mieux pas y penser. C'est pour ça qu'on a des flingues. Allez, aidez-moi d'abord à. Oh là, ça pue là, non? Je suis un rat! Ah d'accord, ok, merci. Ok, bon d'accord, ok, ok, bah, je ne suis pas un rat, mais... voilà, hein. Bon. C'est pas passé, là. J'avoue que l'idée du rat, c'était pas mal, mais... Bon, vous m'avez bien fait de faire sauvegarder, parce que je suis mort comme... Putain, mais attends, il faut se cacher où, sérieux? Je vais regarder avant d'activer le truc, hein. Non mais me dis pas attends, c'est quoi l'urgence? Quelqu'un est venu ici. Attends, pourquoi j'ai un fumigène dans la main? Qu'est-ce qui se passe? Vos armes à portée de main. Je veux pas un fumigène dans la main. Un inconnu. Compris. Bougez pas, je vais vérifier la réserve. Mais enlève-moi le fumigène là. Sérieux, je me suis mis un fumigène sans faire exprès. Oh, j'ai le démon, j'ai un fumi pour rien. J'ai un fumigène pour rien. Je peux pas l'enlever. Appuie sur X. Non, X c'est l'activer, mec. Bon, attendez là. Ici j'ai pas de cachette, on est d'accord. Alors peut-être qu'il faudrait que je floue le courant. Moi, je sais pas. Pourquoi? Tu ne serais pas un peu servi, non? Là je pense qu'il visite. Eh, hey, pour info, il était avec moi pendant tout ce temps. Il manque de la bouffe, des munitions et des médocs. Si c'est pas l'un de nous qui a fait ça, alors c'est qu'on avait raison sur un point. Quelqu'un est venu c'est ici. Ça. Comment j'enlève mon fumigène? On était censé être en sécurité ici. Fais chier. Comment j'enlève mon putain de fumigène? Et sérieux, ça me casse les couilles là. Ouvrez l'œil. J'ai le seum, j'ai un fumigène dans la main, putain. Quelqu'un aille avertir le boss. Le boss? Ça me casse les couilles, putain. Le boss, c'est un putain de caissier. Et alors? Tu crois? Je me casse. Et me dites pas X. X, c'est pour l'activer. Y? Non. B, non. A, non. Ah, j'ai le démon, j'ai un fumigène à la main, ça me stresse. Et je peux pas mettre autre chose, genre rien. S'il te plaît, frérot.
Laisse-moi tranquille. Attends, je peux aller quelque part, moi? Attends, c'est un autre conduit, ça, on est d'accord, hein? Un rat, ça devait être un putain de gros rat, alors. Bah, qu'est-ce que j'en sais, moi? Quelqu'un se fout de notre gueule. Mais non, t'inquiète. Sûrement le même enfoiré qu'on a profité pour se servir dans notre réserve. Mais non, t'inquiète. C'est pour ça qu'on a des flingues. Qu'est-ce que tu racontes? Aidez-moi d'abord à trouver l'interrupteur pour le remettre en... Je paumais. Qu'est-ce que c'est, lui? C'est qui? Attends, mais c'est qui vient de passer, là? Ah putain, mais il faut aller là-bas. Non, c'est faux. Bien joué, Ripley. Voilà, fais pas de bruit. Ils sont encore dans le coin. Suis-moi. Ok, c'est passé. Putain, ah, j'espère que ça va me... le fait qu'elle ait mis la carte, ça va m'enlever ma putain de... fumigène, là. Putain, je suis démon. Ça te dérange si je lance un fumigène, Axel? C'est un problème personnel, mais... On sait jamais, parce qu'on voit pas très bien, en vrai. Non mais si, vraiment, on voit pas très bien. Viser avec LT. Bah tiens, je vais m'entraîner, alors. LT. Ok. Admettons, je vais viser là-bas. Attends, viser avec LT. LT, RT. Il m'en a mis un deuxième. Non, c'est bon. Non mais le jeu se fout de ma gueule. C'est encore loin. On y est presque. Le transit est juste devant. J'espère bien que ton vaisseau est encore là. T'imaginais pas Sébastopol comme ça? Oh bah Sébastopol, enfin j'imaginais rien, mec, hein, j'avais aucun espoir, hein. Sébastopol, s'il te plaît, quoi. J'étais sans espoir avec ce... avec cet endroit. Hein. Je suis même pas censé être ici, tu sais. Les papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Putain de merde. Appuie sur RT, croco. Ah, y'a peut-être moyen? S, j'ai réussi à mettre la main sur ce truc dont je parlais. Le chef remarquera jamais rien, il y a toujours plein de trucs qui disparaissent quand une station ferme pour de bon. Vous en faites pas pour les douanes non plus, Sinclair a dit que ces hommes de fermer les yeux. De toute façon, ils seront sûrement trop occupés à faire les guignols. Inventaire, interdiction de prendre quoi que ce soit. Aspirine, machin. Attends, on m'a dit quel bouton? Oh putain, attends. Et on fait tourner les fumines. C'est quoi ce bouton? Ah mais c'est quand je regarde, c'est quand je fais la girafe. Ok bon. Je peux pas l'enlever mais... Laissez tomber. B plus une direction. B. Ah oui non j'essaie, ouais, ça c'est le truc malin ça. Ouais bah c'est le truc que j'essaie mais... J'ai le choix qu'en haut et bas. Et bas je peux pas cliquer dessus. À moins que je fabrique un medikit potentiellement si j'ai de quoi faire. Non, j'ai pas de mélange. Il me manquera le... Oh ça me casse les couilles en vrai. Je sais pas. Bah on avance là non? Attends c'est quoi le bail là? Pourquoi tu me laisses avancer là? Toi d'abord! Fuir avec Axel. Oui et pourquoi Axel est derrière moi quand je fuis? Ça n'a aucun sens. Ok. Elle a plus de jeu. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Ouais. L'autre côté, ouais. L'autre côté là-bas? Ok. Ok. À 3. On l'active à 3. Prête. À 3. 1. Moi qui ai dit à 3, c'est pas 2, toi. Moi 3. Qui ai dit à 3, c'est toi qui ai dit 3, mais c'est moi qui ai eu l'idée de 3. Toi t'as. Oh merde! Oh bah tant pis hein. Vas-y bats-toi. En vrai je vais peut-être l'aider en vrai. Oh. Maintenir enfoncé LS pour courir. Oh putain de merde. Je sais pas ce que je vais lui mettre comme coup mais... RT pour rentrer dans la mêlée. Oh je suis rentré dans la mêlée mec. Oh bah lui il est rentré dans la mêlée lui. Lui il a... On dégage. C'est pas de ce qu'on a d'une minute à l'autre. Il est bien rentré dans la mêlée. Faut qu'on se casse maintenant. Oh je l'ai ganké mais... Main jungle. Oh merde. Je bouge là. Julie, merde, je crois qu'il est mort. C'est la sauce en vrai. Qu'est-ce qui se passe? T'as buté ce type? Ouais, parce que sinon c'est moi qui l'allais tuer. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau. Je trouve un peu collant. Tu comprends ce que je veux dire?
T'as entendu? J'entends quelque chose. Axel? J'en ai sur moi. Sérieux? Oh, ça pue là. C'était quoi ce truc? Je sais pas par où je cours. Atteindre la gare de transit intestinal. Oh, je m'arrête. Mais attends, quoi? Je suis bloqué? Non, sérieux, je suis stuck. Ah, c'est bon, je suis mort. C'est bon, je suis stuck. Attends, vas-y, pause. C'est où la gare de transit? Ok, c'est à droite. Ah, mais je passe là, je rentre. Je rentre pas? Mais faut que je rentre là. Non, mais s'il vous plaît. Oh non, mais c'est bon! Allez, c'est bon, putain, il m'a saoulé avec son truc de merde. Oh, mais c'est là, attends. Mais. De toute façon, j'ai mis un fumier en vrai. Attends, j'ai fait quoi là? J'ai appelé le transit? Ça fait combien de temps arriver? Ça fait combien de temps arriver? Ah mais en fait un transit c'est un ascenseur. Attends mais je suis caché hein. Non sérieux là. Il met combien de temps? Non sérieux là j'en peux plus là, ça m'a cassé les couilles. Girafe? Attends comment on fait la girafe déjà? Non mais, non mais attends, vous êtes sûr j'en ai besoin? Vous êtes sûr à 100%? Vraiment? Non sérieux là, mais vous m'avez fait trop peur, j'aurais dû m'enfuir, vous êtes des bâtards. C'est bon, je vais m'enfuir. C'est bon, vous abusez, vous m'avez tué. J'ai plus jamais le chat jusqu'à... Vas-y, je m'en bats les couilles, j'ai plus une demi-heure sans le chat. Non, je suis désolé là. C'est honteux, il y avait pas de pistolet 100%, fallait juste que je cours. Arrête tes conneries. Le fait que je sois pas parti au moment où le transit est arrivé, ils ont mis le truc. Oh vous êtes trop cons. Je vous déteste de ouf là. Oh vous m'avez gâché ma partie. J'avais zéro mort. Non c'est abusé ce que vous avez fait. Attends je suis où là? Ah non mais attendez, je suis là où il y a les... Il y avait vraiment un pistolet, mais c'est impossible, je pourrais pas partir sans le pistolet, le jeu m'aurait forcément... J'espère bien que ton vaisseau est encore là. Le jeu m'aurait forcément... T'imaginais pas Sébastien. M'aurait forcément dit, tu vois. Enfin, je pense. Mais attends, pourquoi il y a la musique là? Il peut pas y être là encore là. J'ai compris le pistolet d'Axel. Tu n'es pas censé être ici, tu sais. Mes papiers de sortie datent d'il y a une semaine. Mais... Je pense pas qu'on puisse partir sans le pistolet d'Axel. J'aurais pas dû le chat de toute façon. Je serais parti sans, tant pis. Hein. Ces enfoirés nous ont barré le chemin. J'ai compris. Faut qu'on active les deux consoles en même temps pour l'ouvrir. Je me charge de celle-ci, tu t'occupes de celle qui est de l'autre côté. Ok. Prête? À 3. 1, 2, 3. Derrière toi, quoi. Ok. J'ai chopé cet enfoiré de voleur. Philippe, tu pouvais te servir, connard. Lâche-moi, enfoiré. C'est bizarre, l'alien, il était blanc, non? Merde. On dégage. Ces potes seront là d'une minute à l'autre. Faut qu'on se casse, maintenant. Hé, hey, bande de bâtards. Bouge. Tuez-les! Merde, je crois qu'il est mort. Dave, je voulais faire le jeu sans mourir, je suis dégoûté. T'as buté ce type? Parce que sinon c'est moi qui l'ai fait. Tu m'as sauvé la vie, Ripley. Dans tout ça, faut qu'on sauve notre peau.
comprends ce que je veux dire? T'as entendu? J'entends quelque chose. Oui, non, mais j'imagine que son gun est à côté de lui, oui. Mais je pense qu'il y avait moyen de le ramasser à un autre moment. Je pense pas que j'ai perdu un pistolet. Juste, vous le saviez, mais à mon avis, j'ai pas perdu un pistolet. Je sais pas. Bien équilibré, c'est ce que j'adore dans les jeux. Il est mort où là, Axel? C'était quoi ce truc? Mais les mecs, Axel, je sais même pas où il est mort, mec. Mais en plus, vous êtes. Mais je vais vraiment vous enculer, hein. Non, sérieux là. Mais je vais vous enculer, hein, le chat. Hein. Non, mais c'est terminé, hein. Les mecs ont fait le jeu en avance, qui au final, je pense qu'après, on va les ramasser le pistolet, sauf qu'au final, vu que vous avez déjà fait le jeu, bah vous êtes dit, va ramasser directement le pistolet, sauf que le jeu était pas qu'au dépôt. Et au final, je meurs comme un con ici, parce que tout le monde me dit d'aller ramasser un pistolet qui n'est pas là, parce que vous avez tous fait le jeu et vous êtes tous des merdes. C'est incroyable, hein. Putain, c'est même plus du backseat là, c'est de la débilité, genre. Bon, j'ai pas besoin de me cacher en vrai, hein. Parce que je rentre instant dès que le truc s'ouvre. Au final, dès que le truc s'ouvre, il a l'air de proc ici. Je rentre instant et c'est terminé. Je vois pas l'intérêt de se coucher là, de se cacher. Je vais même pas me cacher en fait. Oh non, j'ai encore activé un fumigène. Non, sérieux, j'en peux plus. J'appuie sur B. Oh, c'est vraiment un jeu de merde. En vrai, il y a des problèmes dans le jeu. Ça. Bonsoir. Non, mais je vais rester lourd parce que je vais lâcher un script, hein. Attendez là. Ah bah c'est ouvert. Bon bah je suis mort mais. En vrai c'est ouvert hein. Bon. Ok. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries, oui bon j'avoue j'ai fait une connerie là. Vas-y go speed s'il te plaît là parce que j'en ai rien de cul là. Ça fait 2 heures que je suis en train de crever. Putain c'est de l'autre côté. Ok oui j'aurais dû rester accroupi comme tout à l'heure ouais. My bad. My bad. C'est encore loin. En fait, je pensais que là c'était. En fait, je pensais que c'était une cinématique. En fait, c'est incroyable parce que tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi il s'est passé ça parce que là on a le temps. Et vous allez dire, c'est normal. Croco, c'est normal que t'aies fait cette erreur. Tout le monde l'aurait fait à ta place. Tout à l'heure, l'alien est apparu au moment où la porte est ouverte. Du coup, je me suis dit que c'était une cinématique en mode court pendant que l'alien est derrière toi en mode James Bond, tu vois. Alors qu'en fait, c'était juste un coup de chance que l'alien proc au moment où la porte s'ouvre. Par rapport au bruit que j'avais fait, tu vois. Et c'est ça que j'avais pas capté. Vous avez compris ou pas? Prête. 1, 2, 3. 1. Ouais, j'avais 2, fait 0 bruit, bah 3. Ouais. Ah, mais c'est un concours de circonstances de fou en vrai. Enculé! Ramenez-vous! J'ai chopé cet enfoiré de voleur! T'as cru que tu pouvais te servir, connard? Je trouve que les insultes sont un peu. Bon, là, je pense pas que je puisse mourir contre la lèvre. Parce qu'au final. Ça fait 3 fois qu'il meurt quand même. Ces potes seront là d'une minute à l'autre. Oui, en fait, dès qu'ils m'ont dit d'aller chercher le flingue, je me suis mis à courir, c'est vrai. Bon, en fait, je vais juste pas faire de bruit, ça va être terminé en fait. Genre, je vais m'agenouiller et puis ça sera terminé. Claimer, etc. Je peux passer à ce mec. Ah mais ça on me l'avait pas dit ça putain, je suis un fils de. Ok, bah là je me. Putain. C'était quoi ce truc? Je me mets là et je vais là-bas. Chier, j'ai encore activé le fumigène. En fait j'ai envie de me baisser avec B en fait. Je suis désolé mais se baisser avec le bouton qui dit c'est vraiment de la merde. Attends, je peux pas inverser mes touches en vrai. J'ai trop envie de me baisser avec B hein. Attendez, je vais activer le truc, je vais regarder pour mes touches. J'ai envie de me baisser avec B et d'ouvrir l'inventaire avec. Attends, y'a pas de commande manette? Je peux changer ou pas? Attends. Moi, c'est B qui me dérange. B, ouvrir le menu. Y'a pas un B s'asseoir là? Putain, ils abusent de ouf! Non, c'est que des trucs de. Putain, j'ai le démon.
C'est mal foutu. Pourquoi je m'accroupis pas avec B? Bon, là c'est bon, là j'ai appelé le transit. Je fais pas de bruit. S'il arrive, je suis dans la sauce, mais bon. Il est pas censé arriver, on est d'accord si je fais aucun bruit là. Tu fais RT Coco. Attends, il y avait vraiment un truc? Non, je crois pas. Hein. RT? Mais non, il y a rien. Mais... Qu'est-ce qu'on racontait? Ah, pour l'enlever? Non, ça marche pas non plus, non. RT pour enlever? Bah non. Il y a ça, mais ça c'est pas... Il arrive quand, mec? Et je fais quoi contre un... T'as mis la mauvaise config? Non, non, j'ai remis le truc de base. Hein. C'est chaud en vrai. Putain, le chat me raconte tellement de fausses informations, c'est super dur. Hein. Là, t'as remis la mauvaise config, c'est genre 95% faux. Genre, ça aurait pu être faux, quoi. RT pour mettre un coup de clé? Ah ouais. Ah bah j'ai plus de fumigène, ça y est. Mais ça, j'avais pas tout à l'heure, ouais. J'avais pas de fumigène tout à l'heure, un autre là. Cette station dessert Sixon Communication Technologie, Sixon Synthetics et Gemini Exoplanet Solution. Oh. Oh. Ah ok, mais ça c'est très très bon ça. Attends, ça va être en train de dire que je suis encore en train de me cacher là? Non mais attends, parce que... Ok. La question c'est... Oh mais ça a l'air chaud, en vrai il fait vraiment très peur l'alien. Hein. Après, s'il y a pas de musique, je pense pas que l'alien puisse proc. Hein. Je pense que tant qu'il y a pas de musique, je peux me permettre de courir. Je vais regarder un peu comment est la zone. Oh putain de merde. Transit vers la plateforme des machines, transit vers la tour d'habitation, transit vers machin. Rendez-vous à Sigon Communication. Axel a dit que la tour Systech Spar renfermait section communication. Tu veux que j'ai la communication là? Attends. Attends, j'ai rien compris. Trouver un moyen de l'atteindre. Ok, je vais faire les 4 en vrai. Spatial, CIMED, plateforme, habitation. Je vais tous les faire. Putain, j'ai pas pu sauvegarder. Y'avait pas un truc de sauvegarde? Non, sérieux, là, j'ai pas envie de crever là. Mais je pense qu'il y a pas de... Là, il y a pas d'alien là. Hein. Par contre, notre. Par contre, ils mettent beaucoup de cachettes. Hein. Ça veut dire que quand même, hein, il doit y avoir l'alien là. Je sais pas si je fais pas tout accroupi, les mecs. Enfin, moi, vous savez que j'ai tout mon temps. Hein. En vrai, je peux faire tout le jeu accroupi, ça me. Enfin, vous me connaissez. Hein. J'ai aucun problème à faire tout le jeu accroupi. Hein. Vous pouvez râler autant que vous voulez. J'en ai vraiment rien à foutre en vrai. Je vais faire le jeu comme ça en vrai. Je sais pas si ça fait du bruit si tu marches debout. Enfin, non, si tu. Moi, je fais le jeu accroupi. Hein. C'est nickel. En vrai, c'est pas si long. Genre, j'ai 4 trucs à faire. Non, c'est pas si long en vrai. Commencez par aller. Hein. Vaut mieux ça que je meure et qu'on refasse le même truc en fait. Là c'est impossible que je meure. Je suis accroupi. C'est pas long, c'est pas long. Puis en plus les escaliers vont être deux fois plus vite normalement. On est déjà arrivé, on est déjà arrivé en vrai. Il y a une sauvegarde à gauche. Bon, vous allez peut-être un peu râler là mais on redescend. Elle était où la sauvegarde? Sauvegarde, c'est les seuls trucs que vous avez le droit de me spoil parce que j'arrive pas à les voir en vrai. Je sais pas ce qu'elles ont. C'est ça? Non, c'est quoi ça? Attends, laissez-moi sauvegarder d'abord. Elle est où votre sauvegarde de merde là? Attends. Allez là. Ok, je sauvegarde. J'ai trouvé un bouton en vrai en revenant. Ça m'a mis bien. Ok, nickel. Bon, déjà on assure cet endroit là. Y'a pas de pistolet à prendre. Oui, bah je vais. Oui, merci, mec. J'avais pas vu ton.
Reroutage, hein, et pas rebootage, les amis. Utilisez le reroutage pour activer et désactiver les systèmes à votre proximité. Les systèmes partagent une alimentation d'électricité limitée. Les éteindre fournit l'électricité pour en rallumer d'autres. Consultez la carte à droite de l'écran avec RS pour localiser la position des systèmes locaux. Ouais. Accédez à de nouvelles zones, créez des diversions ou trafiquez les systèmes de Sébastopol pour vous aider à remplir vos objectifs. Ok. Alors attendez, là j'ai la carte. Je vais appuyer. Ne pas laisser vos bagages ou votre équipement sans surveillance. Ouais, t'inquiète, j'ai mon alien de poche. Changer de salle, LBRB. Ça semble cassé, monsieur, là. Ah non, ok, d'accord. Choisir système LS. Nous excuser pour les perturbations affectant actuellement le service. Attends, ça fait quoi la différence entre les deux, là? J'arrive pas à activer celui de gauche. Capacité du réseau, 1 sur 2. Mais je pourrais activer les deux sur le papier. 0 sur 2. Ah non, énergie disponible, 1. Attends, ça fait quoi, là? J'arrive pas à voir la différence, là. Ok, là, c'est comme ça. Je désactive ça. On est d'accord qu'on ne voit absolument aucune différence, ou c'est moi là? Sur la minimap de droite. Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a aucun différentiel? Je sais pas, je mets système instable. Ça doit activer, désactiver des trucs, mais pour savoir lequel, c'est. Il clignote Coco. Ah! Ah, donc là j'ai activé cette salle là en fait. Donc sur le papier j'ai activé ces portes. Oui, c'est ça, ok, j'ai tout compris. Nice, j'ai tout compris. Attends, mais s'il y a le zombie, je me cache. Il y a une porte vite fait là. Ok. Je sais pas si ça a un rapport avec la musique en fait. J'aimerais bien activer les deux transits. Mais sérieux? Mais. Il y avait cette porte aussi. Attends. Je pensais que j'avais compris, mais. Ah non, putain, c'est juste ça. J'ai trop peur, bordel. Non, c'est pas de là où je viens de là-bas, moi, je crois. Non, je viens de là, moi, je crois. Vous voulez que j'explore avant? Enfin, le truc, c'est que c'était pas super clair, leur truc. Pour être tout à fait honnête avec vous. Là c'est activé là, ici. Là c'est porte fermée. Là c'est désactivé. Oh la vache, mais il y a plein de trucs ici. D'accord. Est-ce que ça serait pas juste une cachette? Attends, je suis où là? Mais alors là-bas, c'est quoi? Mais y a trop de chemin là! Oh putain, qu'est-ce qu'il fait? Mais je recule là! Non, mais elle est sérieuse! Elle va pas me chasser quand même! Mais non, 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 c'est faux! Je suis dans le transit. S'il te plaît. Je déteste les boutons. Je déteste tous les boutons du jeu. La course est nulle, tout est nul. Ok, je pense qu'elle est partie. Merci Fusion pour ton sub. Je lui ai fait le coup de... Oh, j'ai été bon là en vrai. Parce que là, elle sait pas que je suis là. Hein. Elle pense que je suis encore... plutôt bien joué là-dessus. Je peux courir là, je pense. Hein. Un synthoniseur d'accès.
Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Ok, très très bien. Trouver une cellule de données pour... Putain mec, c'est compliqué hein. Non non, j'étais pas là, c'est fou. Attends, ils sont où là ? T'es sûr que tu veux prendre ce risque ? Oh non, j'ai encore activé un fumigène. Je propose qu'on la trouve et qu'on la bute. Mais je peux les tuer en vrai les mecs ? Attends, ils sont où là ? Putain, sérieux ? Non mais là c'est free là. Ils sont aveugles. C'est impossible que je me fasse voir. Attends, il va où lui? Je fais la girafe. Il m'a vu? Non, il m'a pas vu là. Passez là. Ok. Je déteste tous les boutons. Tous. Tous. Tu sais que j'ai toujours pas compris du coup. Le jeu est trop complexe. En vrai, on comprend rien, mais le truc des... C'est super mal expliqué, le truc des... d'allumer et d'éteindre les machins, là. Sérieux, le fait que j'ai pas compris dans cette salle-là, ça me bloque totalement dans l'autre salle. Qu'est-ce que c'est que cette giga-merde? Non, c'est pas parce que j'ai couru. Utilisez le reroutage pour activer et désactiver les systèmes à votre proximité. Ça veut rien dire, mec. Les systèmes partagent une alimentation d'électricité illimitée. Les atteintes fournissent l'électricité pour en allumer d'autres. Consultez la carte à droite avec RS pour localiser la position des systèmes locaux. Accéder à de nouvelles zones, créer des diversions. Créer des diversions, mec. Vas-y, attends, je vais... Vas-y, c'est bon. Je vais mettre là. Attends, vas-y, mets-toi là, toi. Notre équipe d'humains et de synthétiques vous remercie de votre fidèle utilisation du transit de Sébastopol. Là, j'ai activé lequel, là? Regardez, ça change rien. Non, mais... tant que je comprends pas ça, je continue pas le jeu, j'en ai rien à foutre. Donc ça c'est ouvert anyway. Donc ça dans tous les cas ça sera ouvert. Tu as activé les haut-parleurs ? Attends, sérieux? La voix qu'on entend, c'est parce que j'active. Non, c'est pas possible. Et qui s'en bat les couilles? Mais tout le monde s'en branle. Mais attendez, en fait, le système des haut-parleurs, c'est que j'ai activé la voix? En fait, ça n'a rien à voir avec la zone en soi. Ah si, le haut-parleur est là-bas. Oh, bah alors, du coup, ça m'a servi. Enfin, qu'est-ce que ça m'active le système instable? Un truc dans cette pièce-là. Parce que c'est écrit dans cette pièce-là. Donc, je vais faire le tour de cette pièce, je vais voir s'il y a un truc qui s'active. Là c'est fermé, là-bas c'est fermé. Votre sécurité est là, c'est ouvert. Veuillez reporter et là c'est ouvert. Tout dysfonctionnement dans le transit. Maintenant j'active le transit. Enfin j'active ici. Ici c'est ouvert aussi. Et là c'est fermé, là c'est fermé. Donc, système c'est instable donc c'est rien. Ah ouais, j'active un système qui sert à rien, bah ça fait plaisir, merci le jeu alors. Et pourquoi je suis pas allé là tout à l'heure en vrai les mecs? Ah je sais pas. Je vais appeler les transits comme ça à la limite si je dois courir bah... Ah bah attendez, ah bah si peut-être que j'ai rien dit alors.
Attendez. Ah. Ah bah non, je l'ai activé. Non, j'ai de la merde. Si je mets le haut-parleur, c'est quand même désactivé, on est d'accord. Ouais. Bon, je vais pas là. Ok, bon. Je vais rien dire, mais... Tu peux rediriger l'électricité, avec cette électricité tu peux ouvrir les différentes portes. Ouais, mais là tu vois le système instable il servait à rien du tout, c'est ça qui m'a cassé les couilles en vrai. Vas-y, hein, go, continue. Attends, ça sert à rien que je fasse ça, je peux aller directement à droite. Ok, bon là elle va me tirer dessus, bidule chouette, machin, bidule. Putain. Il me voit là? Oh, il me voit, sérieux? Je n'arrive pas à courir. Je suis accroupi? Les gars, par ici! Y'a quelqu'un ici! Ok. Courir, c'est vraiment de la merde, hein. Mais les mecs, quand je cours, ça met mon fumigène. Non, je rigole zéro là, regardez. Courir. Je ne vais rien dire. Regardez à quoi ça sert cette merde là. Là le temps qu'il fasse tout le tour. Vas-y, il y a écrit quoi dessus là? Il y a écrit quoi là? Système de haut-parleur, purification de l'air. Purification de l'air, c'est où? Attends, je suis où moi? C'est devant moi? Vas-y, je vais purifier l'air devant moi là. Je crois que c'est là, hein. Non, sérieux! Non, mais attends, c'est pas possible! Mais attends, c'est un fou furieux! Attends, mais quand j'ai purifié l'air, c'est là où je suis? Mais attends, mais je vois rien! Attends, je vois rien parce que j'ai purifié l'air ou je vois rien parce que je vois rien? Ils font quoi dans ce genre de cas de course? Oh, mais sérieux, c'est trop dur! Oh, le jeu est tellement dur! Attends, il m'a vu de l'opposé? Non, sérieux! C'est si dur! Je ne vois pas l'intérêt de ce routage. Hein. Bon, j'ai pas besoin de. Je vais pas rester ici du coup. Je vais rush un instant. C'est super dur, hein. Hein? Mais. Pourquoi je m'accroupis? Qu'est-ce qui m'accroupit? Non, sérieux! Y'a un problème avec les touches là! Je n'ai jamais appuyé sur accroupi, je suis accroupi! Mettre la purification, c'était là où tu étais pour attirer l'attention. Ah, je devrais donc mettre plutôt le. Ah oui, j'ai attiré l'attention à l'endroit où j'étais! Ah, mais je suis un fils de pute! Par contre, attends, qu'est-ce qui m'a accroupi là? C'est trop là! Qu'est-ce qui m'a accroupi? Qu'est-ce qui m'a accroupi? Je suis abattu. Je suis abattu, les amis. Bon, donc dans ce cas-là, ça sert à rien que je l'utilise tant qu'il n'y a pas de gens qui viennent vers moi. C'est plutôt pour les emmener à des endroits où je veux pas qu'ils aillent. Enfin, où je veux qu'ils aillent, mais qui sont justement pas les endroits où moi je veux. Je trouve une nouvelle cellule donnée. Sachant que ça, c'est quoi? Je vais faire un rush par là pour voir.
m'accroupir. C'est pas là. T'as raison. Je propose qu'on la trouve et qu'on la bute. Bon. Où vous pensez que je dois aller? Il y a un truc au milieu. Par là. Ça doit être ça. Je suis sûr qu'elle est en bas. Je pense pas qu'il me voit, je suis accroupi. C'est là, attends. Il y a un truc là au milieu là. T'as vu quelque chose? Non non non. S'il vous plaît là. Quoi? J'en ai rien à foutre. Eh, hey, on peut le faire. Attends, il me voit pas là. J'ai ramassé quoi? J'ai l'impression qu'on attend sagement que la mort vienne nous chercher. Je veux pas bouger là. Sécurité ? Moi pas. Il y a un truc là-bas là. Allez, ils sont vraiment. Il testait son arme là. Non, sérieux mec. Non, sérieux. C'est quoi cette difficulté là? Non, sérieux là, c'est quoi cette difficulté? Non mais mec, c'était Ward ou quoi là? Non, c'est honteux là. Oh, ça me casse les couilles là par contre. Et c'est giga dur hein. Et le jeu est tellement dur. Mais il m'a tiré du balcon. Il m'a tiré du balcon. Je sais que j'ai pas besoin de reculer hein, je me mets là, je m'accroupis. Il m'a vu là. Il m'a pas vu hein. Il m'a totalement vu mec. Regardez. Je ne peux plus. Non attendez. Je vais vous montrer. Je ne pouvais pas. Non. Il y a un problème. Il y avait un problème. En fait, j'ai compris. Dès qu'il y avait l'animation qui se lançait, le personnage s'accroupissait tout seul. C'est pour ça que je pétais un câble tout seul. En fait, j'ai pas besoin de faire ça, elle va pas jusqu'à moi. Elle se baisse automatiquement, exactement. Attends, je vais checker ici, hein, rapidement. Hein. On va full check. Hein. Voilà. Munition. Mais quoi d'autre? C'était ça? Bien attentivement. Je veux que tu quittes le travail maintenant. Ça, je sais pas si c'est suffisant. Franchement, j'ai tout pris là, non, milieu. Vas-y, je vais checker là-bas. Un endroit sûr jusqu'à ce que Sixon envoie un vaisseau. C'est tellement dur, mais. Elle essayait de pirater la sécurité. Les circuits ont grillé. C'est du gâteau. Trouver une cellule de données pour réparer le synthétiseur. Mais je vais me casser en vrai. En vrai, ça se trouve, y'a rien à faire dans cette pièce. Hein. Je viens de penser là. Je suis en train d'essayer de tryhard cette pièce qui pue. Alors que si ça se trouve, faut juste se casser là. Non, mais en vrai, faut que je trouve une cellule de données. Si ça se trouve, c'est absolument pas là. Et si ça se trouve, c'est juste un des transits que je dois allumer. Et on go next. Pourquoi ça serait exactement dans la pièce où je suis depuis le début? C'est là, je vais aller là. Je vais aller transit ici moi. Je vais transit là. Je m'en bats les couilles. En vrai, la pièce là-bas, potentiellement, il y a juste à l'étage, à l'endroit où ils sont au début, que je sais pas si on peut passer, genre. Genre là, au bout du H de H-Tech, là. Je ne peux pas les tuer, mec. J'ai ça pour les tuer. Ne commencez pas à me lâcher n'importe quoi, s'il vous plaît. Je vais pas faire ça. Ils ont des fusils, genre. À moins que je le chope par derrière, mais c'est super dur, genre. Je vais aller sauvegarder, en plus. J'en profiter. Je vais attendre que ça s'arrête, et je vais sauvegarder. Comme ça, j'aurai tout fait. Arrêtez de me dire de les tuer, je ne peux pas les tuer, c'est impossible. Non, là vous êtes délusionnel. Ils ont des flingues et ils me tuent en 3 coups, genre. Je vais juste aller ici, n'en déplaise au chat. De toute façon, je devais y aller au début ici. Vous n'avez pas voulu que j'y aille, j'ai aucune raison, je vais y aller maintenant. Je vais découvrir ce que c'est. Dès que je lis mon chat, je meurs. Vas-y, je vais à la tour d'habitation, ça me mette bien. J'espère qu'il y a des belles habitations. J'espère qu'elle me mette bien cette petite tour là. Bon, le transit de Sébastopol, là on s'en bat les couilles. Pointez votre viseur. Ah merde, j'ai pas lu.
Ouais, j'ai pas eu le temps. Ouais. Voilà. Là, on arrive à un nouvel endroit. Le transit de Popol. C'est nickel. Cette station dessert la galerie marchande Solomons. Attends, on connaît ici, non ? Colonial et les suites Sixon. Attends. C'est pas de là d'où je viens là ? Ah non, je crois pas. Attends, c'est où ici ? Des bruits bizarres là, non? Attends, on est où là? Vas-y, donne-moi un peu. C'est quoi le. Mais il est déjà là le transit, non? Ou alors j'ai pris le transit de droite? Attends, j'ai pris un transit là, il y a deux secondes là. Attends, vous êtes en train de me dire que. Il y a un aller et un retour ? Non, je dis de la merde. Non, je dis de la merde. Il me dit quoi quand je veux l'ouvrir celui-là ? Je vais établir le courant. Hein. Je sais pas si je viens de là en fait. Je sais plus d'où je viens moi. Après, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose à faire ici. Hein. Non, mais là, c'est de la merde ici les mecs. Et qui m'a emmené ici ? Mais je viens d'ici, je crois que je me rappelle là. Gare de transit. Attends. Nous excusez pour les perturbations affectant actuellement le service. Navette à destination de la tour Sixtay-Florette. Je me suis paumé en vrai. Non, je me suis paumé là, j'avoue. Tu peux les tuer, Croco, faut les attirer en bas vers la porte. Ouais, mais mec, c'est une technique que j'aurais jamais pu deviner, je vais jamais faire ça, mec. C'est en train de me dire qu'il y a un bug avec la porte qui te permet de les tuer un par un. Merci, mec, pour ton message, c'était vraiment très intéressant. Je pense que je vais le faire depuis que tu me l'as dit. Je pense que c'est quelque chose que j'aurais deviné de base, donc. Ok. Bon. Les mecs, j'ai sauvegardé tout à l'heure. Hein. Ouais. Je vais sauvegarder pour le kiff. Je peux pas sauvegarder, sérieux? Ah, parce que j'ai rien fait. Ah, c'est la première fois qu'il me. Ah, c'est dur. Genre. Faut que je fasse une diversion. L'air c'était à côté de moi donc c'était de la merde. Donc en fait, faut que je fasse une diversion avec un autre truc. Ils sont où là quand j'arrive? Oh non, sérieux? Non mais excuse-moi. Par là, mais tu rentres ou pas? Attends, tu tires à travers la porte, tu tires un peu là. Ah non mais attends, deux balles par deux balles, c'est mon truc par contre. Attends, est-ce qu'il peut ouvrir la porte là? Que je me fasse une idée. Putain, j'ai pris midlife. Ah. Non attends mec, tu vas jusqu'où là? Attends parce que là par contre, pour le coup... C'est quelque chose que j'aurais tenté, ça. No troll. Vous allez payer. À quoi? Non, sérieux? Oh là, je l'aurais tenté parce que là, il y avait un. Vu qu'il était juste à côté de la porte. Oh putain, c'est vrai que ça se fait quand même. Ça se fait, mais c'est pas forcément nécessaire, quoi. En fait, le truc, c'est que pourquoi il est à côté de la porte en vrai? Ou alors tu te caches là-dedans. En vrai, peut-être que ça c'est pas pour se cacher des. C'est pour se cacher de l'alien, hein. C'est pour se cacher des humains ravages. Ok. On vient de voir où elle. Quelqu'un d'autre a vu ça? Oh mais putain, mais mec, mais. Mais t'es super foncé! What the fuck? Vas-y, bah je le bute à lui, hein.
Vas-y, bah t'es sa mère, hein. Vas-y. Attends, mais c'est moi qui ai ouvert la porte! Oh, je suis vraiment un enculé! J'ai cru que la porte. Oh, mais j'ai plus de points de vie, c'est mort. En fait, j'ai cru que c'est lui qui avait ouvert la porte, j'ai commencé à tirer, mais c'était moi qui avait ouvert la porte. Bah, je suis dans la sauce. Je vois pas comment je m'en sors là. Bah, je suis mort parce que il va me mettre une balle. Ils sont deux là pour m'avoir tué ou pas? Mais attends, ils viennent en groupe, mec. Attends, ils viennent en groupe là par contre. Là, j'ai bien vu, là, ils sont en groupe là. C'est intuable en groupe. Ok, bon, de toute façon, là, je voulais juste checker un truc. En vrai, c'était un move de test là. Non, ils viennent en groupe par contre. Hein. Et c'est plusieurs personnes. Clairement, il n'y a rien à dire sur ce genre d'énergumène. Déjà, ils ont des fusils, ils viennent à plusieurs. Enfin, bref. Le truc, c'est que je vois pas comment reset la map en fait. Je vais courir là. Là, il me voit là. Il m'a vu là. Oui, d'accord. Tu m'as vu là. Je vais essayer de reset conduit. Ah, moi il m'a pas vu en vrai. Je vais rien reset du tout en fait. Vas-y, on va la jouer vraiment Splinter Cell de ouf là. C'est bon, je la m'ai saoulé. Un en haut, un ici. Je prends les escaliers à droite. Mec, mais ils sont trop séparés, c'est trop dur. C'est impossible. Ce jeu est impossible. Je suis désolé, ce jeu est impossible. C'est impossible. Il n'y a pas d'autre solution que de débuter. Personne ne peut le faire sans le buter, c'est impossible. À moins qu'il tire vraiment très très mal et que je m'en rende pas compte, mais. Attends, comment je le fais pour que ce soit pas moi qui ouvre la porte, s'il vous plaît? Non, sérieux? Non, mais sérieux, putain! Mais c'est de la merde, mais. Ça me casse les couilles là! Qu'est-ce que c'est que cette porte qui s'ouvre tout seul? Je suis abattu là. Ouais, je vais retourner dans le conduit, ouais, mais. Je ne courais pas. Arrêtez de me dire n'importe quoi. J'ai tout fait accroupi. Il m'a vu accroupi. J'étais accroupi. Faut juste que je fasse ça, que j'aille dans le conduit pour reset cette merde. Voilà. Là, je reset. Je vais dans ce putain de conduit qui reset, je sais pas trop comment. Ah, je ressors, c'est marrant, tout le monde rigole. Là, ils ont tous full reset. Oh, allez, c'est cassé. Sans faire exploit. J'arrive plus à faire la girafe. Attendez, je vais rester la girafe là. Comment on fait la girafe déjà? Ah, c'est avec ce bouton, ok. Je vais tout faire accroupi. Hein. Donc ça c'est la girafe debout ça. Ok. Donc ça c'est une girafe debout. Très bien. Il m'a pas vu hein, donc il n'y a aucune raison qu'il soit là. Hein. Il y en a un à droite. Le truc c'est qu'ils sont tellement dispersés que je ne vois pas une porte de sortie. Et en plus, l'autre d'en haut est capable de me voir là. C'est vraiment du jamais. Mais mec, mais il n'y a pas un monde dans lequel je passe. Pas un. C'est impossible. Attendez. Mec, ils ont une vue d'aigle. Non, c'est trop là. Ils ont une vue d'aigle. Mais qui fait ce jeu? Non mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible, la sortie autre part. C'est impossible. En fait, il aurait fallu que je fasse quelque chose depuis que j'étais là-bas. Maintenant que j'ai sauvegardé, je suis un homme mort. Faut que la porte arrête de hint.
pas question. Non mais please. Quelle merde. Me dis pas que tu m'as vu alors que j'ai encore rien fait là. Please. Les gars, on a un intrus. S'il vous plaît. Non mais s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Prends la sauvegarde précédente, mais je pense en vrai. Change de sauvegarde. Hein. Je sais pas, je suis en train de réfléchir s'il y a une solution. Je suis Keblo là. Genre, je pense que personne n'a fait ce que j'ai fait. Genre, vu qu'il fallait aller en haut, personne n'est revenu sauvegarder après. Et c'est impossible de s'en sortir. Attends, mais la sauvegarde, elle était à quel moment là? Je pense que c'est bon, hein. C'est le moment où j'ai pas encore looté tout et qu'il va me dire recule. C'est insane, c'est insane. Là, il va me dire recule ou pas? Ok, nickel. Là je run, parce qu'ils sont pas encore là. Je prends tout le loot à l'intérieur. Je jure j'ai un inventaire plein. C'est terrible en vrai ça. Non, j'ai un inventaire plein comment ça? Merde, c'est quelle touche? Putain, c'était pas celui-là, j'ai le démon. Non, c'est quelle touche déjà? Détecteur. Ouais mais j'ai rien à faire avec le détecteur, j'en ai trois mais j'ai rien à faire avec. Ok bon, admettons. Je prends ça. Je joue les deux, je rush. En ça, je me casse direct. Elle essayait de pirater la sécurité de l'ascenseur. Les circuits ont grillé, c'est du gâteau. Faut juste trouver une nouvelle cellule de données. Je regarde s'il y a du coup. Vas-y, y'a quoi là en vrai? Haut-parleur en bas. On est d'accord? En vrai, c'est intéressant haut-parleur. Il m'a vu là? Non, il m'a pas vu, mec. Attends, y avait quelqu'un où je rêve là? Comment ça c'est rien? Si si c'est quelque chose, regardez un peu mieux, hein. Vous avez mal regardé là. Y'a giga quelque chose en bas. Hein. Je crois qu'il était par là. Oh. Ouais, nique sa mère. Tu prends le flingue ou pas? Impossible. Ah si, cherchez. Attends, y'a écrit quoi? Mission de revolver sans le revolver, mais merci frérot, ça fait plaisir. Fous-toi bien de ma gueule encore une fois. Ok, c'était comme ça qu'il fallait faire. En fait, j'étais bugué à cause de la sauvegarde. On n'y peut absolument rien, les mecs. On a perdu du temps, mais c'est vraiment pas ma faute là pour le coup. Je crois qu'elle est partie en bas. On va jeter un œil. Attends, sérieux, la course elle est. Tu rêves. Hors de question que j'aille par là. Ah. Parce que elle je fais peur. Ton outil de piratage. Il marche pas. On va trouver un autre chemin. Ça fait trop longtemps qu'on croupit ici. Quoi? Quoi quoi quoi? Attends, je repars à coupir là. La lumière jaune? J'ai pas vu. Attends, quoi? C'était... Attends, y'avait quoi dehors là? Je crois que j'avais vu un fantôme.
Quelle lumière jaune? Ah ça? Ça sert à quoi ça? Actualiser la carte? Ok. Vous avez vu un fantôme dehors? Ouais. Non, notre là. Il y avait un truc qui était en forme de fantôme. Ok. Bon bah j'ai pu avancer, bah le jeu était bugué, j'ai vraiment pas de chance pour le coup là. En vrai, notre rôle, j'ai vraiment pas eu de chance. Tout le monde a pensé que j'avais mal joué alors que c'était vraiment impossible. Enfin, c'était super dur, c'était... Par rapport à l'endroit où je suis dans le jeu, c'était une difficulté insensée, genre. Ok, bon, bah j'ai regardé un peu par là, y'a rien. Je suis resté accroupi, hein, parce que bon... Là, on vient de voir qu'il y avait quand même... bah, je sais même pas s'il y en a plusieurs, mais... L'alien. J'irais qu'il y en a qu'un, en vrai. Oh, y'a. En vrai, je vais conduire, ouais. Je sais pas si. Je sais pas à quoi servent les conduits. Peut-être que c'est pour s'enfuir. Oh, il a un conduit avec de la place, ça met bien ça. Pour l'instant, le loot, c'est pas vraiment important. Hein. Ah, c'est pas un truc à loot ça? Parce que bon, des kits de soins quand je me fais one shot, bon. Hein, on les connaît quoi. Ça m'a fait sûrement un endroit que je pouvais atteindre également, hein. J'imagine. Le conduit m'a fait... Ouais. Ah, il me le met le conduit, nice. Ouais, ouais, c'est un conduit qui fait un petit raccourci. Ok, rien ici, on est d'accord? On est d'accord, je peux remonter. Hein? J'aime pas trop ça là. S'il saute sur moi, je pense que je rush conduit, mais bon. Attends, mais c'est quoi ce conduit là? J'ai jamais pris celui-là. Ah ok, il a plusieurs sorties mon conduit. Attends, il y a même une suite dans mon conduit là. Conduit à droite, j'ai l'impression qu'il y avait un endroit que je suis pas allé. Ah non, c'était le pointillé qui faisait ça. My bad. Ok, c'est un conduit à trois sorties. Très beau conduit. Bah, je reste comme ça parce que, ben... J'ai l'impression qu'il faut faire l'entièreté du jeu dans cette vitesse, hein. J'irai plus vite en n'allant pas vite que en allant vite, en fait. Je sais pas si vous avez compris. Attends, c'est quoi ce bruit? Attends, il est là? Je peux me cacher ici? Je vais regarder cette porte. Je ne sais pas le bruit. Je ne sais pas quel bruit fait un alien aussi. On m'a jamais dit, moi. Fait quel type de bruit ça? Parce que là, ça faisait un peu une poule quand même. C'est une poule alien. C'est quoi, c'est sauvegarde ça? Ok. Vas-y, go save. Attends, c'est quoi ce bruit là? Sérieux là? Il y a un bruit là, vous l'avez entendu là? Non, là, il y a un bruit là. Là, je vous jure, il y a un bruit là. Depuis tout à l'heure, il y a le même bruit là. Je peux me cacher où là? Ici? C'est ça le bruit? Oh, let's go! Non, qu'est-ce que c'est que ce son? Ah, mais ça me met trop bien ça! Sélectionnez-le dans le menu principal. Ah, mais je le sélectionne avec grand plaisir. On peut tuer un alien? Attends, ce serait une scène, ouais. Bah, je vais re-sauvegarder. Ah, je peux pas. Putain, on peut pas sauvegarder. C'est pas ça qui fait un bruit, c'est... Ah, il y a une carte. Attends, où? J'ai pas vu. J'ai pris une carte, je crois. Puissance... Mais il y a tellement de trucs, mec. Mais c'est pas possible. Mais je vais revenir ici un jour. Enfin, vous vous rappelez que dans les premières salles, il y avait des trucs que je pouvais pas ouvrir, genre la première porte du jeu, genre. Je sais pas si... Peut-être t'as l'impression de tout rater, quoi.
J'espère que je peux tuer un alien en vrai. Je pense pas en vrai. J'ai 6 balles. J'ai trop d'agents collants. D'un côté, je peux faire des balles ? Non mais mec, j'en ai tellement. C'est bizarre mec, j'ai 6 agents collants et 0 mélange B. C'est pas possible, je les ai tous ratés genre. Je vois qu'un seul type de... C'est trop bizarre ouais. Ouais c'est... Il y a des trucs bizarres dans le jeu, je vais pas vous mentir. ...40 fumigènes. Tu lootes pas aussi? Attends, t'es en train de me dire que j'ai raté tous les mélanges B? Ça veut dire que c'est un truc que je sais pas à quoi ça ressemble alors. Oh bon sang. Faut vraiment loot dans le jeu. Mais je loot vraiment hein. Enfin là je loot là quand même là. Me dites pas qu'il y a des trucs de psychopathe genre Enfin c'est quel niveau de looting là en fait, c'est ça que je vous demande là. Vous êtes en train de me dire que j'aurais dû avoir 6 mélanges B, j'en ai raté 6. 6 sur 6, c'était quoi le A là? Schéma de... Il me parle de quel truc? Là il y a un schéma là. Attends, il est où ton schéma? Là? Ouais. Oh, c'est pas possible, il est de l'autre côté. Schéma de quoi d'ailleurs? De grenade aveugle. Ça met bien ça par contre. Il faut de l'amorce, des détecteurs. Bah c'est pas mal ça. Je peux en faire une. Je l'ai là ou pas? Faut que je finisse sur un truc fabrique. Ok. Je regarde dans mon inventaire, j'en ai un ou pas? Grenade aveuglante. Oh la vache. Ok. C'était ici, genre? J'avais trigger l'angle, ok. Mais mec, c'est même ça, enfin j'ai dû rater plein de recettes si ça se trouve en fait. Non mais là je panique par rapport à ce que par rapport à mon early game là. Le truc c'est qu'il te fouille à des endroits, genre. C'est infouillable. Je pense que en vrai vaut mieux la grenade aveuglante que le fusil. Hein. Je tège hein. Je tège comme ça, j'aveugle tout le monde. La caisse Croco. Quelle caisse? Non mais y a pas de caisse mec. J'ai tout loot là. Voilà. Ça j'ai déjà loot hein. Après je peux reloot parce que y a un truc que je pouvais pas loot. Et vu que je viens de crafter. Sur la table la caisse. Celle-là? Bon, je vais essayer de full loot, mais je vais pas trop vous écouter parce que vous allez dire quand même un peu n'importe quoi. Alors, je suis pas tout seul à être ravagé. Oh bon sang. La boîte noire. Quoi? Quoi? Non! C'est fait. Ah ouais, d'accord. Ça fait plus de bruit hein. Ok. Elle se fout de ma gueule là par contre. C'est moi qui joue après hein. Concentre-toi.
chill en vrai, hein. Enfin. Pas trop ce qu'il faut faire, mais. C'est quoi une boîte noire? C'est le truc des souvenirs de. Une porte, là je peux peut-être me cacher. Ah, c'est foutu. Me demandez rien, s'il vous plaît. Ah! C'est bon? Accès à la. Trouver une cellule de. Ah non, j'ai pas de. J'ai pas de précision là. Je peux appuyer dessus, ce que j'ai appuyé? À quoi ça sert de faire ça? Attends, je peux appuyer sur rien, là, on est d'accord, là. J'en appuie sur 4. Ça a pas changé le niveau de sécurité, ouais. En fait, je ne peux interagir avec rien, là. Ça me pose problème, là. J'aimerais de l'interaction, monsieur. Interagir. 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 Avec quelque chose. Une trappe peut-être. Non, il y a forcément quelque chose avec le fait que j'ai appuyé, mais. Je ne peux plus désappuyer. Panel 2, panel F2. Pourquoi il est bleu celui-là? Ouvrir porte. Il m'a remis la bombe. Ça, j'aimerais bien revenir avant là pour comprendre. Parce que j'ai appuyé dessus un peu comme un mongolito et. J'en ai pas vraiment. Peut-être qu'il faut que je dois utiliser mon flingue. Je vois pas pourquoi mais. La boîte noire elle dit quoi? Je peux pas interagir avec, on est d'accord. Il y en a des jaunes. En fait, il y en a des jaunes, des blancs et un bleu. J'ai envie de tirer dessus, mais bon. C'est pas ça, on est d'accord. Je vais pas faire cette connerie là. Je vais pas faire ça. Hein. Quel est le rapport avec les trucs que j'ai appuyés? Non, mais je suis désolé. Pirater l'ascenseur. Non mais attendez, les mecs qui disent enfin. Ça se voit que vous avez pas fait de game design. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Ah peut-être que ça m'a. Ok non j'ai rien dit, ok. Peut-être que les trucs que j'ai désactivés m'ont permis de passer là. Ok my bad. Ok my bad. Ouais, je pensais que c'était un truc plus intelligent. Bon, testons ce truc. RS. Oh putain, oh, on en a pour 20 minutes là. Attends quoi? Entrez le code qui apparaît. Attends, pardon. Tu veux que je retienne ce putain de code là? Non, c'est pas possible. Non, juste à faire ça, ouais. Quoi? Mais j'ai un V9. J'ai super bien. Attends, j'ai fait un gameplay tout furieux. Attends. Tu veux que je fasse le dessin qui est au-dessus? Non, sérieux? Mais dans quel ordre? Non, attends, j'ai mal compris là. Mais j'ai pas le temps. C'est impossible. Pi!
qu'il a zéro pour que le stream soit en PLS devant tant de pression. Ok. Attends, vous êtes en train... C'est quoi que j'ai raté là? Vous voulez que je retourne là-bas là? J'ai vraiment raté un truc de fou? Je vous crois, mais c'est la dernière fois. Hein. S'il y a vraiment rien, je vais plus jamais, genre. T'as rien compris? Si, j'ai tout compris. Là. J'ai pas compris pour faire le dessin qui était au-dessus. Non, mais les mecs, vous êtes... j'ai tapé sur 3 sur 10. Oui, bah c'était 3 fois de la chance. Merci le chat, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous m'avez parlé d'une caisse là? Vous m'avez parlé d'une caisse. La porte. Ah, faut savoir! Tout à l'heure, tout le monde a ragé parce que j'ai raté une caisse. Je reviens et vous me parlez d'une porte. On oublie très vite les anciens démons. La porte derrière toi. Mais je l'ai déjà ouverte cette porte. Attendez, qu'est-ce que vous me racontez là? Ah oui, vous parlez de cette porte là, vous. Non mais oui, mais... C'est pas la question là. On est d'accord, donc la caisse on oublie tout, ouais. Ok, d'accord, ouais. Le délai, oui bien sûr le délai. J'ai 0 secondes de délai, enculé. Disons que c'est pas la même taille, mec. Moi, je ne parle pas de caisse. Vous parlez de caisse. Alors moi, j'avais aucun problème de caisse, moi. J'ai même acheté une nouvelle voiture. Alors, c'est pour te dire à quel point ça va, hein, niveau caisse. C'est vraiment pas le problème. Hein. Touche privée à l'intention du Marshal Waits. Ici le chief porteur de l'assistance technique. Écoutez, il n'y a que dalle dans cette boîte noire, Waits. Je sais pas combien d'accords de confidentialité d'entreprise on a bafoué pendant... Oui, mais plein de trucs pour me cacher alors qu'il n'y a jamais l'alien, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai gagné à venir ici en vrai? Un badge? Que j'ai jamais lu d'ailleurs. Je crois que badge c'est ici, non? Ouais, c'est ça. C'est les gens. Mettre en surbrillance. Ouais. Ah, ça donne des... Non, j'allais dire ça donne des codes, mais non. Pas trop l'intérêt. Ça doit être du loot en mode faire le jeu à 100%. Tu n'as pas vu le timer. Le timer, c'est le son, mec. En fait, il y a 70% de mon chat qui n'ont pas fait le jeu et qui me disent n'importe quoi. 20% de mon chat qui ont fait le jeu et qui me disent des trucs que je suis pas censé savoir. Et 10% de mon chat qui est logique. C'est-à-dire qu'il réfléchit comme moi. C'est magnifique. Franchement, je suis ravi là. Je vais revenir, hein, les mecs. En vrai, j'ai récupéré ça. Et puis, de toute façon, il y a écrit pirater l'ascenseur là-bas. Et puis, il y a 2 portes à ouvrir dans tous les cas. Franchement, ça veut dire que je vais me retaper. Mais je vais leur tirer dessus, hein. Eh, les mecs, je leur tire dessus en vrai. Enfin, je suis désolé, mais bon. Attends, il y a peut-être la ligne là par contre. Hein. Peut-être que je me calme. Hein. Ah oui, sauvegarde, sauvegarde. Attends, c'était où? C'est là? Ouais. T'as raté un schéma? Les schémas sont impossibles à remarquer, mec. Celui d'avant, je l'ai même pas vu, donc bon. Attends, là, ça c'est une porte comment, ça? Non, ça c'est pas une porte qu'on puisse ouvrir. Ça c'est une porte qu'on ouvre avec quoi? Il y a écrit quoi? Ok, c'est une porte qu'on n'ouvre pas, en fait. Celle du flingue à gauche, il y a un schéma. Sérieux? Vas-y, à quoi ça ressemble, vos schémas, là? Ça? Non. Ça a une forme phallique. Merci, mec. La salle du flingue, c'est celle-là, on est d'accord. Hein, hein? On commence pas à inventer des schémas différents, là. Peut-être que tu devrais aller là où la fille essaye de pirater. Mais je vais aller là où on me dit, hein, mec. Hein, je vais aller là-bas, là. À l'ascenseur. Hein. Le gros truc noir sur la map. Non, c'est ça, le gros truc noir sur la map. Ouais, c'est ça, c'est ce truc. Bon, vous me dites vraiment n'importe quoi. Je vais vraiment abandonner à lire en vrai.
C'est, moi j'ai l'inverse. Il y a des streamers, ils ont du backseat. Moi j'ai l'inverse, mec. C'est du backsheet. Genre, on me dit n'importe quoi en fait. Descends ton pantalon, tu vas gagner une munition. Enfin, genre. Je sais même pas pourquoi je lis mon chat en fait. Attends, ça je peux ouvrir ça hein. Quoi? Ah ça veut dire... Ah, mon truc c'est pas que pour... Ok. Bon, NP. Il y a un gros cube noir sur ta map, c'est un schéma. J'y retourne une dernière fois sur ton gros cube de merde, c'est pas la porte. T'as raison. C'est là hein. Ah non, tu parles de ça non? Ça c'est pas le schéma mec. C'était ça? Ça c'est pour actualiser la carte. Bon t'avais raison. C'était pas la porte qui était indiquée. Bon t'as dit de la merde quand même, mais si t'avais raison il t'a dit de la merde quoi. J'ai actualisé la carte, je sais pas trop à quoi ça sert par contre cependant. Je crois que c'est... Bah, je sais pas en fait. Je sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, il y a une porte que je suis censé pouvoir ouvrir là. Ouais, c'est celle-là. Ça je pense c'est un peu la suite de l'aventure ça. Chef, la bonne nouvelle c'est que j'ai déjà archivé 80% du système de courriel internet de Sébastopol. Pour la commission, pour la décommission. Il a été déconnecté d'Apollo mais j'ai laissé en place le système de messagerie basique pour les gens qui le restent. La mauvaise nouvelle est que le branquignol qui l'a installé en premier lieu a lésiné sur le matériel informatique et on a eu des fuites. J'ai mis Mike Tanaka sur le coup, c'est un archiviste spécialiste qu'on a appelé. Il a l'air de toucher sa bille. J'ai pensé bon de te tenir au courant en attendant. Bah s'il touche sa bille c'est parfait. J'adore toucher des billes moi. Là je me cache. C'est quoi à gauche? C'est ça? Ouais. En fait j'ai juste à regarder les minimaps, peut-être que tout s'affiche. Ah non, les box elles s'affichent pas. Parce que les trucs plus importants s'affichent. Merde. Ah mélange B. Là, je loot bien, là, en vrai. Je suis désolé, là, je regarde un peu plus parce que vous me dites que je rate tout. C'est bizarre quand elle se couche à côté des objets, là. Là-bas, j'ai rien raté. Ah, si. En fait, quand tu t'approches... Ah, c'est comme dans Resident Evil, je crois. Quand tu t'approches d'un truc, il te le dit. Il faut le coller en fait. Je le sens vraiment mal là par contre que t'entends. Non sérieux? Attends, il se fout de ma gueule là par contre. Je fais quoi? Non sérieux? Il y a une porte à gauche. Ah oui, donc il voit vraiment rien par contre. Même s'il me sent, ça... Ah ouais, attends. Attends, il voit rien ou il entend rien? Oh! Il est parti là en fait. Il est giga parti là. Il entend bien. Ah, ça veut dire que le bruit du casio quand je l'ouvre c'est genre GG Wallplay. Ou pas tant que ça non.
peux lui tirer dessus. En vrai, je vais prendre ma grenade. Je vais prendre ma giga fumier. Voilà, on va sortir l'artillerie lourde, les amis. Merde. Évidemment, c'est vraiment de la giga merde cet endroit. Oh, ça, j'ai à gauche ça. Ok, on est là. Ok, j'ai un conduit ici. Y'a rien ici par contre. Je sais pas par où il peut arriver en fait. Le problème c'est vraiment. Est-ce que des fois il arrive par le ciel. Après j'ai jamais vu marcher genre là. Tu vois genre en train de marcher tu vois. En train de faire une balade un peu. C'est ça qui me pose un peu problème. Attends, mais faut pas que j'aille là, moi, faut que j'aille. Mais attends, mais. Mais je dois aller où, moi? Non, attendez, là. Est-ce que moi, je dois aller là-bas, moi? Pirater l'ascenseur? Mais y'a pas de. Mais je peux pas aller là-bas! Mais où voulez-vous que j'aille? Remonte en haut. Attends, il n'y a pas un truc d'étage là? Plus en haut. Ça, c'est un bruit de... d'alien, ça? C'était un bruit d'alien, hein? J'ai vu une ombre! Je vous jure, j'ai vu une ombre. Je vous jure, j'ai vu une ombre. Regardez! Regardez, ça bouge! Je vous jure, j'ai vu une ombre. Là, il y a un truc, là. Il y a un truc. Non, mais notre rôle, il y a un truc. Je vous jure, il y a un truc. Oui, il y a écrit quoi sur les post-it? Mec, il y a un truc de psychopathe qui est en train de bouger. Regardez encore, là. Il se rapproche. Ouais, la musique accélère, il se rapproche. J'ai fait bugger le jeu, mec. J'ai fait bugger le jeu. Je me suis mis tellement à côté. C'est la merde. J'ai l'impression qu'il fait une ronde. Il fait une ronde, les mecs. C'est le ventilateur? Quoi? Non, sérieux? Attends, quoi? Il y a pas de ventilateur, mec. Non, c'est ce que c'est, peut-être? C'est peut-être les objets. Dans dehors, l'ombre des objets qui sont dehors. Putain, j'étais sûr de l'avoir vu. C'est ça, non? Oui, c'est ça, putain. Je suis sûr de l'avoir vu pourtant. Oh, mais c'est trop stylé. Après, bon. Non, mais là, pour le coup, bon. Il y avait des bruits en vrai. Je pense qu'il était vraiment là au début hein, par contre. Hein. Parce que des bruits, j'ai vraiment vu un truc avec une tête et tout quoi. Genre je l'ai pas vu dans une ombre, je l'ai vu.
Cours-suit est pas bon, hein, de toute façon. Ouais. Moi, je vais là. En haut, en bas. En haut. C'est en bas. Attends. Je vais pas regarder. Ah ouais, mec, il en a rien à foutre. Oh. Ah, c'est un bout de course. Non, mais en fait, je vous explique. Non, mais j'avais compris qu'il fallait pas forcément courir. Mais là, je me suis dit, vu qu'il est en train d'attaquer quelqu'un, il va pas instant aller sur moi. Je vais profiter de... Je vais profiter du délire, tu vois. Ah, j'ai profité du délire, mec. Il m'a mais il m'a dégommé, genre, j'ai eu trop peur, par contre. Le bruit et tout, j'ai enlevé mon casque. Bon, par contre, je vais pouvoir faire tout en courant, je pense. Du coup, en fait, au final, c'est dans 2 minutes, on est au même endroit. Enfin, dans 1 minute, même. Ah, je crois, attends, c'était où? C'était là. Ouais, mec. Insane. Ouais, il m'a découpé le cul. Attends, mais... Ah, mais j'ai sauvegardé à ce moment-là? Ça veut dire que je suis en train de... Je vais devoir faire tout le... Non. Non, sérieux, là? Mais non, non, non. Mais si. J'ai sauvegardé à quel moment? Ah non, si, si, ouais. Ah non, j'ai fait de la merde, par contre. J'ai fait de la merde, j'aurais dû sauvegarder après. J'ai pas vu. Giga int, là. Je vais me retaper la cinématique. Bon, enfin, on s'en bat les couilles, puisqu'au final, ils attaquent pas, donc... Ça va pas être non plus problème. Ah, mais si, faut que je joue tout à l'intérieur. Putain, j'ai int, en vrai... Ah, d'autre côté, il m'a fait tellement mal. Bon, ça, j'ai pas besoin de lire. Loot, on prend. Il y avait 3 loot, je crois. Ok. Je sais plus ce qu'il y avait comme loot. C'est pour se cacher, mais j'aurais pas besoin de me cacher. Du coup, il y a là. Et il y a. Ah, c'est tout. Il y a le truc au milieu, non? C'est tout, je crois. Là, j'ai. Ouais, c'est tout. Le flingue, mais je l'ai le flingue. Non, je l'avais le flingue, je crois. Mec, c'est... Par contre, c'est insane. Genre, il a littéralement limite... Il a tué l'autre et moi en moins de... Une seconde, en fait. Genre, je savais pas qu'il courait vers moi, tu vois. Ça m'a choqué, hein, ce qu'il a fait. Il a couru genre à une vitesse, enfin, genre jamais je marche en fait. Enfin jamais je cours dans le jeu. Enfin, c'est hors de question. Jamais je cours. C'est honteux ce qu'il m'a mis. Vraiment. Découpé, je l'ai le flingue. Hein. Ah c'est Castix. Ouais. Ça m'a choqué là. Bon là il peut pas être là, hein, donc je vais faire en courant parce que vu qu'il y a la cinématique, bah, j'ai pas de raison de rester, j'ai pas de raison de pas courir en fait. Surtout que j'avais rien fait au final, j'avais juste marché, après j'étais allé là-bas mais c'est bon. Après j'étais remonté là, après j'ai cru qu'il y avait une ombre. Au final on s'en bat totalement les couilles, il peut rien m'arriver. Ah sauvegarder, ouais en vrai je vais sauvegarder. Parce qu'il y a moyen que je me fasse péter la gueule. Hein. Même si j'ai compris la leçon, je l'avoue que j'ai pas envie de refaire le truc. Ce garde était ouf. T'es en haut, non? Ouais, t'es là. Non, oui, je pense que je peux courir là, ouais. Le jeu serait vraiment bien foutu si je peux pas courir aussi. Là je dirais, là si je meurs je dis chapeau au jeu tu vois. Mais vu que c'est un jeu genre, je connais bien les bails des jeux, c'est impossible. Impossible qu'ils mettent la ligne dans cette... Vu qu'il y a la cinématique juste après, c'est impossible. Hop. Bon, attendez, parce que là on va faire des bails correctement. Bon, là je me permets de courir. Et à partir de maintenant. Oh, je suis un fils de pute, mais bon.
Quel frère. Vas-y, je t'aide, mec. On se les partage, toi et moi. Ok, bon. Non, mec, attends. Alors, je suis désolé parce que, en fait, non, je vous explique pourquoi je suis mort. En vrai, non, vraiment. En fait, c'était tellement un frère que j'ai dû faire la même chose que lui, genre. Non, vous auriez fait la même chose, mec. On meurt, mais on meurt en tant que frère. Il m'a sauvé la vie, j'étais obligé de tirer. Non, j'ai. Bon, il a pas fait exprès, c'est un bot, mais vous avez compris, quoi. Non, c'est pas du hint. C'était mon frère. Non, mais c'était pas du hint. Non, c'était mon frère. J'ai sauvegardé, arrêtez. Non, mais en vrai, vous êtes vraiment de mauvaise foi. Genre, le mec m'a sauvé la vie de ouf. On a jamais vu ça dans le jeu, genre. Un bot, au moment où j'allais mourir, a tiré et a attiré l'alien, genre, sans faire exprès. En sachant que c'est un ennemi dans le jeu, genre. J'étais obligé, en tant qu'être humain et pas bot, pour la relation humain-ordinateur, de faire ce que j'ai fait, genre. Vous comprenez pas, après, il y a des conflits de ouf, hein, genre. Oui, il veut me buter depuis tout à l'heure, mais là, il vient de me sauver la vie. En sachant que j'ai essayé de lui tirer dessus, en plus, au préalable, donc. Par contre, il va à une vitesse, c'est incroyable. Enfin, c'était très étrange, mais. Par contre, je viens de comprendre qu'il peut venir à moi plutôt qu'à eux. Hein. Donc, c'est hors de plus, j'arrête de marcher. Oh, mec, par contre, c'est un monstre. Hein. Et l'autre, il court. Ouais, vas-y, cours, ouais. Voilà, c'est bien, t'as bien couru là. Là, tu dois être content là. Ah oui, non, mais mec, il a aucune. Non, mais il a aucun œil, hein. Rien. Là, je peux faire le zouave. Par contre, il marche vite. Hein. Oh. Qu'est-ce qui marche vite? Par contre, je sais pas exactement où je dois aller, moi. C'est pas ça. Non, mais attendez, me dites pas que c'est en bas. S'il vous plaît, dites-moi que c'est là. Non, sérieux, je suis un fils de pute pareil. Je suis le roi des enculés. C'est moi? Sérieux, c'est moi? À enculé, il y a écrit Croco? Ça, je sais pas, j'ai cru que c'était en haut. Je sais pas, par contre, je peux potentiellement lui mettre une balle. Hein. Après, il est peut-être parti là. Hein. Ah, il a peut-être changé de pièce, hein, par contre. Hein. Il y a un truc derrière moi là? Non, non, non. Pourquoi j'ai mis le jeu en difficile, sérieux? L'alien one shot. Tout le monde one shot, mec. C'est injouable. Vas-y, j'ai fait au moins 5% du jeu là. En vrai, j'ai dû faire 10%, 15%, je pense. Respecte l'alien comme si c'était un Kha'Zix. Ouais, non, mais là. Là, il est. Cette phase d'action lui a donné mon respect infini, genre. C'est bon, c'est Jésus. Y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Je ferai tout le jeu accroupi, mec. Tranquille, frérot. C'est Alex ça? Ah, c'est Axel? Non, c'est. Attends, il se lave les mains? Hey. Mon nom est Ripley. Attends, il y a un problème là, hein. Parce que moi j'ai ça, mais j'ai pas les yeux, hein. Quelqu'un va vous recevoir très rapidement. Pas étonnant que Sixon soit en perte de vitesse. C'est le tuto fini? Non, vous déconnez. Non, en vrai de vrai? Non, vous déconnez. Reste pas trop en dessous sinon. Il vient d'en haut, reste pas trop en dessous. Reste pas trop en dessous de quoi? Il vient d'en haut, reste pas trop en dessous. Bah, excuse-moi, mec, je vais mettre sous l'escalier, je pense, du coup. Attends, mais on peut sauvegarder là? En dessous des conduits? Là, y'a pas de conduit, on est d'accord là. Attends. Accueil? Oh! Oh non, c'est bon, pas cette merde. Non, ça par contre, c'est le truc que j'ai pas encore aimé là. Je vais activer des trucs qui servent à rien. Haut-parleur, toilette. Image de la caméra. Accès à la porte. Ah, accès à la porte, c'est intéressant quand même. Justification de l'air, on s'en bat les couilles. Ah, je vais mettre la porte. Ah, j'en ai deux. Bah. Je sais pas, frérot, genre, qu'est-ce que je te dise, mec. Je sais même pas où je suis en fait. Moi je suis RW. C'est moi que je suis RW. Bah, je vais mettre les caméras derrière moi. Mais j'ai une énergie disponible, fils de pute. Mais il est con que minute. Ok, bon. Attends, j'ai activé cette porte, non? Mais je peux pas l'atteindre. D'accord, donc là je viens d'activer une porte que je peux pas atteindre. Ça c'est vraiment ce que je préfère dans le jeu. Faites
Ah, écoutez deux. On la porte, ça sert à rien. Bah, pour l'instant. Écoutez, de toute façon, je vois pas pourquoi j'activerais le reste. Ça me fait que je m'en bats les couilles des caméras, genre. C'est quoi ça? Non, mais pourquoi je peux pas. Ah, bah si, je peux atteindre. Excusez-moi. Moi j'ai une question là, je peux sauvegarder un moment ou comment ça se passe là? Parce que là j'ai quand même fait un truc de fou furieux et j'ai pas de sauvegarde. Ah c'est honteux hein. Quoi? Y'a rien dedans? Non attends, il se fout de ma gueule, je viens d'ouvrir un truc, y'a rien dedans. Oh ça c'est honteux par contre. Y'a rien dedans mec, une caisse vide. Personne n'a jamais une caisse vide chez soi. Je me suis fait baiser là, attendez là. Cours pas, non mais mec il est pas là, là je suis dans une zone avec écrit accueil et tout genre. Bah j'arrive à reconnaître les zones safe quand même. Pourquoi je peux me cacher dans la zone d'accueil là? Bon je vais continuer à copier. Carte d'accès. Attends mais sérieux, moi je voulais sauvegarder la base là. C'est quoi le truc là à gauche? Ah ça y a un, c'est un truc. Ah oui soudeur, ok. Mais faut que je sauvegarde là, sérieux? Non mais là c'est... Hein? D'abord. Bah oui mais bon. Et lui il marche comme ça, donc moi je vais être accroupi parce que je me fais enculer par un alien dès que je marche. T'as Jean-Marc Mood là-bas, il est en train de faire des petites balades, y'a aucun problème, genre c'est... Bah super. Super. Apparemment on a pas trop les mêmes problèmes quoi. Tu sais que tu fais plus peur que l'alien en fait là. Je lui dirais tu mec. Non attends mec. Non mais c'est un malentendu hein. C'est un malentendu. Attends mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Non sérieux là. Et pourquoi dans l'accueil moi c'est le zoo moi? Tout le monde est chill dans l'accueil et moi c'est le zoo moi. J'arrive plus à courir. C'est quoi ça? Non sérieux mais... Mec c'est bon mec, il fait plus peur que l'alien. Mais c'est bon. C'est quoi mec? Enfin excusez-moi mais j'ai quand même débloqué une question qui est bizarre. Il y a quelque chose qui n'est pas humain ici. Je lui ai tiré une balle dans la tête quand même pour ceux qui ont tendance à l'oublier. Donc pour l'histoire je viens d'apprendre des choses intéressantes quand même. Bon je suis désolé hein, mais si y a l'alien nique sa mère, hein, je suis obligé de courir, j'ai l'alien ou Jésus aux fesses là. Attends il me poursuit là. Il est pas humain lui hein. Ou alors il a un masque en acier mais bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc mec? Oh putain il me saoule avec son soudeur unique, moi je voulais juste aller sauvegarder à la base. Je me retrouve dans une PLS, et si je meurs mec, enfin c'est très grave hein, ce qui va se passer là. Si je meurs faut savoir que je reviens avant l'alien. Enfin... Ah bah attends mais je peux faire des kits hein les mecs. Attends. Ah bah non mais j'ai des kits. J'en ai zéro. Bah je vais en faire. Parce que là j'ai mélange B. Hop, fabriqué. Je vais même en faire un deuxième je pense. Je vais en faire un deuxième. Ah mais je viens de comprendre un truc de... Ok, je viens de comprendre un truc de psychopathe, je vous annonce. Attends mais pourquoi je peux pas celui du milieu? J'en ai un. Non sérieux? Non c'est un bug là. Les mecs, j'ai un mélange B, il veut pas me le donner. J'ai pas cette camelote, c'est ça? Non j'ai de la camelote. Pourquoi je peux pas faire le mélange B? Merci Zedder. Bon je vais m'huiler avec celui que j'ai, c'est pas grave. Flèche directe. C'est un putain de robot croco. Pas sûr mec hein. Ça peut mais... C'est une sorte de détecteur. Il a été trafiqué. Merci Grisbill. C'est sûr pour vous parce que peut-être vous connaissez le lore mais moi je vois juste quelqu'un avec un masque super résistant quoi. Enfin à un moment... Bon, vous m'avez spoil en fait que c'est un robot. Alors imaginez le mec il a un masque en... Un masque par balle. Je pense que ça existe. UGS, j'ai installé un verrou manuel sur la porte qui mène à l'étage. Je ne veux aucun accident. T'inquiète frérot.
tu me connais. Marie, si jamais t'as ce message, je suis en route. Ok, bon, c'est bon. Ok, nickel. Ça, c'est quoi ça? Ah, c'est le truc qui permet de détecter le l'alien. Donc là, il n'y a pas d'alien, je peux me permettre un petit sprint là. Attends, je peux pas l'avoir avec moi quand même? Enfin, ça, c'est chiant là. J'ai utilisé mon medikit moi? Non, je l'ai pas utilisé. Comment on l'utilise? Ça m'a eu le combien? Ah ouais! Le détecteur est bugué? Attends, mais je rêve là? Non, sérieux. Non, mais ça arrive qu'à moi ça. Et en plus, je peux pas sauvegarder. Non, please. Please, please. Bug visuel ou bug visuel ou tu l'as sur toi, Croco? Comment je l'active? Attends, je vais peut-être pouvoir en faire un deuxième. Hein. Il m'est arrivé la même chose, c'est un bug visu. À côté de l'ordi, il y a quelque chose, Croco. Ah oui, oui. De la Camelot. Et de l'éthanol. Mais il y a plein de trucs, la façon. Putain, mec, le loot, c'est insane. Oh, tellement de trucs. Ramasser détecteur, c'est ça? Inventaire plein? J'ai 100% de détecteur, je peux pas le prendre. Faut que tu craftes là, c'est le bordel. Ouais, mais oh, faut que je crafte. J'ai quoi à craft? Des grenades aveuglantes ou des medikits? Ou des balles, ça se craft? Non. Y'a que ici. Medikit, c'est quoi? Ah, mais c'est pour ça, c'est parce que j'utilisais le mélange ici. Je peux le désutiliser? Ah, voilà. Attends, c'est quoi que j'avais en trop? Détecteur? Bah, c'est pas grave, j'en ai trois, hein, nique sa mère. Ça, je l'ai lu, ça, je me rappelle plus. C'est avec UGS? Ok, j'active ça peut-être. Là c'est la merde hein, parce que là j'ai peut-être fait bugger le jeu. Je vais regarder ce qu'il y a là-dedans. Attends, il y a plein de trucs, what the fuck. Attends, système de haut-parleur ici, purification de l'air au même endroit. Ok. Et éclairage au même endroit. Ah, je mettrai le système de haut-parleur pour que le... il m'entende pas et que je puisse potentiellement courir. Ça me paraît mieux. Éclairage, je me le garde. Je vais mettre ça. Ouais. Je sais pas l'air ce que ça fait par rapport aux aliens. Mais sans me spoil, je dirais que c'est le plus intéressant pour moi. Du son et la lumière pour que je puisse le voir. Puisque lui, dans tous les cas, il est aveugle. Et du son pour pas qu'il me repère. Et l'air, je sais pas exactement. Peut-être qu'il aime pas du tout et que c'était mieux, mais. Par contre, les mecs, comment je fais là? Non, mais sérieux. Vous pouvez me dire là? Mon détecteur? Je suis en train de partir sans là. L'ordi, Croco. Utilitaire dans l'ordi. Dans l'ordi. Ah, faut que j'utilise sur d'autres trucs là. Ah, mais vous m'avez spoil le jeu là. Mais sachant. Ok, d'accord. Bon, NP, je ferai plus attention dans les ordis. Je fais quoi avec ça, les mecs? Comment j'utilise le truc? Vous êtes sûr que c'est qu'un bug? RB? Ah oui, putain, bien wesh. Attends, mais. Ah, bah c'est TP. Ok, bien wesh. Mais là, c'est nickel, mec. Ça veut dire que. Attends. Ouais. Je peux savoir exactement. Où il est? Attends, me dites pas qu'il y a des piles ou quoi? Non, s'il vous plaît, il y a des piles ou pas? Ou c'est infini? C'est infini, on est d'accord. Hein. C'est infini. Hein. Mais les mecs, le jeu est gagné là. Si je sais tout le temps les ennemis, imaginez, genre vous avez. Y a pas de Fog of War dans LoL. Ah! Je pense que je vais stopper là en vrai, les mecs. Je suis fatigué de ouf. Il commence à être tard. Puis là, ça va être le début des emmerdes. En vrai, ça me paraît pas mal. Il est quelle heure? 3h25. J'avais dit que je faisais jusqu'à 3h.
Demain, je sais pas. Je suis fatigué là. Ouais, écoute, j'aime bien, ça y est. C'était un peu brouillon le début quand même, hein. J'ai eu peur de ouf avec les trucs là, de looting là, j'étais pas chaud, en fait c'est super simple. J'ai à peu près tout compris dans le jeu. Il y a quelques trucs que j'aime pas trop, surtout au niveau des manips, pour être tout à fait honnête. Je trouve vraiment exécrable, vraiment. Genre des trucs tout cons et que vous vous rendez pas compte, mais en termes de game design c'est honteux. Mais j'aime bien le jeu, il fait peur en vrai. Il fait peur. 3 heures sur le tuto, c'était du troll, on est d'accord. Non mais c'était pas que le tuto là. J'ai appris plein de trucs. Non, c'était pas que le tuto, genre. Non, là c'est du trolling de dire que j'ai fait que le tuto là. Il y aura le rediff sur YouTube. Ouais, je vais essayer de le mettre ce soir sur ma chaîne secondaire que j'ai toujours pas pubé. J'ai peut-être un moment la pubé, mais avant de la pubé, je voulais mettre tout Resident Evil. En fait, j'ai mis tout Resident Evil 7. Enfin, quand je dis la pubé, c'est juste dire qu'elle existe. Mais si vous tapez Crocodile VOD replay, vous tomberez dessus. Vous verrez qu'il y a genre il y a 30 personnes qui l'ont trouvé. Ce que je voulais faire, c'était mettre tout Resident Evil 3 et après mettre celui-là. Donc je pense que celui-là il va pas proc. Là je vais mettre tout Resident Evil 3 parce que j'ai les 3. J'essaie de mettre les 3 ce soir et je vais me coucher. Et demain les 3 ils sont proc et demain je fais proc celui-là. Et ensuite je pourrais les mettre directement, genre à la fin de la soirée, je pourrais directement les mettre sur YouTube. Merci Dragon, merci Agban, merci beaucoup les mecs. Merci beaucoup. Donc voilà. Je l'ai trouvé. Non mais elle est pas invisible. Je dis juste que genre j'en ai jamais parlé à personne. Et je vais en parler à partir du moment où je voulais mettre tout Resident Evil 3. Bref. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne nuit. Je host quelqu'un. J'ai sauvegardé, on est d'accord. Je peux quitter là. J'ai sauvegardé, hein. Oui. Je host quelqu'un pour pas vous laisser la nuit. Merci beaucoup d'avoir été là. Et puis c'était super cool. Bon, même si vous m'avez dit n'importe quoi, évidemment. Demain 19h, full lol, main à 100 LP, t'as reçu un host Croco? Non. J'ai reçu un host de un viewer, mais bon, généralement c'est pas forcément. C'est lui-même qui se host, donc bon. Demain on va full solo queue, puis on va faire la même chose à partir de 19h minuit en vrai. Donc voilà. Je host quelqu'un. Alors sur la ligne d'isolation, j'imagine qu'il y a personne. Ah si, il y a une personne. Je sais pas, j'ai pas envie que vous spoiliez le jeu, c'est pour ceux qui le connaissent pas. C'est con, mais je vais pas le host. Je vais pas host lui. Je regarde sur LOL vite fait. Je vous reste quelqu'un sur LOL. Je n'arrive plus à parler. Tout va bien. Je vais host celui qui m'avait demandé d'être host ce soir, du coup. Floydu. Bon voilà, soyez gentil. Des bisous. Et puis à demain. Ciao. Je n'arrive pas à le host. Je n'arrive pas à copier son nom, je suis fatigué. Ok. Bisous bisous, bonne nuit le chat. Bonne soirée à tous. Hop. Voilà, c'est lancé.